Bonsoir, bienvenue à Mediapart pour un nouveau en direct de Mediapart qui va durer jusqu'à 22h30 ce soir en accès libre sur votre journal indépendant et participatif Mediapart. Alors, il y aura trois temps. Le grand débat qui commencera à 20h30 après le séisme de l'affaire Cahuzac pour une nouvelle République. Avec point d'interrogation ou point d'exclamation, comme vous voulez. Il y aura deux invités qui débattront, Jean-Luc Mélenchon, le leader, celui qui incarne le Front de gauche et son propre parti, le Parti de gauche, et Pascal Durand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Ils débattront de cette question à quelques jours de la manifestation appelée par le Front de gauche du 5 mai. Pour justement une sixième République. Et puis nous poserons des questions justement à Jean-Luc Mélenchon sur sa démarche, sur cet événement qu'il a voulu provoquer. Avant cela, à 19h, retour sur nos enquêtes, et là, retour sur une affaire non pas d'État, mais une affaire de toute la société française, que Mediapart a fort bien couvert, qui est la question du mariage pour tous. Qu'est-ce que a représenté cette réforme? Comment la gauche l'a portée? Comment la droite l'a combattue? Comment elle en est venue à s'extrémiser au point de s'allier avec l'extrême droite? C'est de cela dont on débattra avec la rédaction de Mediapart. Ces deux débats de 19h et de 20h30 étant animés par Frédéric Bonneau, comme d'habitude. Et notre premier débat, maintenant, c'est celui où on va essayer d'approfondir autour d'un auteur, autour d'une œuvre, autour d'une réflexion, d'une recherche, une question. Et la question que nous avons choisie, dans le contexte de ce qui arrive à notre pays, et plus particulièrement à Mediapart, c'est la question de la démocratie et d'Internet. Nous serons pendant une petite heure avec Dominique Cardon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux, qui dépend de l'École des hautes études en sciences sociales, et au laboratoire des usages d'Orange Lab, hein, qui étudie un peu toute cette révolution numérique. Et vous êtes surtout, et c'est la raison de l'invitation, d'un livre qu'on considère un peu comme notre Bible à Mediapart, « La démocratie Internet, promesses et limites ». On va voir les promesses, on va voir les limites, qui montrent cet enjeu politique, démocratique de la révolution numérique de façon très pédagogique. Alors l'autre raison, c'est que vous avez accompagné, préfacé la traduction d'un livre essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à ce qui nous arrive, aux sources de l'utopie numérique. C'est par Fred Turner, qui a été journaliste et qui est un de vos collègues. Maintenant, oui. Il est directeur des études au département des sciences de la communication de l'université de Stanford aux États-Unis. Aux sources de l'utopie numérique, comment, au fond, tout cela a commencé à partir du Peace and Love, à partir des communautés hippies de la côte ouest des États-Unis, et comment, derrière ce propos, vous l'expliquez très bien dans votre préface, on a là les contradictions, l'enjeu de la bataille qui se mène et qui est incarnée un peu par l'endroit où nous sommes, Mediapart. Dans la démocratie Internet, tout de suite, vous dites, et je voudrais qu'on commence par là, vous dites qu'il n'y a pas d'enjeu plus politique qu'Internet. Je cherche exactement votre phrase. Rarement la conception d'une technologie aura engagé autant de politique que celle d'Internet. Oui, commentaire. Oui, ben parce que c'est tout la manière aussi dont on définit la démocratie, mais si on la définit d'abord par la liberté d'expression et la capacité expressive redonnée ou donnée à tous les citoyens de penser, de dire, de partager, de créer, de critiquer. Internet est l'outil qui est venu se glisser dans cette sorte de revendication absolument éternelle, enfin en tout cas associée à l'idéal démocratique qui est celui de la prise de parole. Et en ce sens-là, finalement, un outil qui donne des ressources technologiques pour qu'on en fasse ce qu'on veut, mais notamment pour qu'on prenne la parole, je crois que c'est éminemment politique et que c'est le sens de cette imbrication entre une technologie et une liberté qui s'est nouée avec Internet. Alors, Mediapart a
actuellement près de 75 000 abonnés, dont beaucoup de lecteurs de Mediapart. Et derrière les abonnés, il y a parfois plusieurs lecteurs qui s'échangent et qui partagent autour de Mediapart. Il y a beaucoup, au fond, de gens qui viennent de l'ancien monde, la vieille presse imprimée, et qui découvrent cette nouvelle presse numérique. Comme peut-être ils viennent aussi d'un ancien monde politique. Parce que la thèse centrale de votre livre, qui bousculerait tout parlementaire, en tout cas la majorité des parlementaires aujourd'hui, c'est que vous estimez que cet outil technologique pose la question d'un nouvel imaginaire démocratique. Ce n'est pas simplement la vieille promesse que vous venez de dire, c'est aussi dépasser la démocratie représentative. Oui, ce n'est pas l'Internet en lui-même qui porte ce nouvel imaginaire. Cet imaginaire, il a toujours été là dans l'idéal démocratique, hein, et ça a été beaucoup travaillé par beaucoup d'historiens qui sont venus nous dire et nous rappeler. Pierre Rosanvallon le fait sans cesse, que la démocratie représentative n'est pas le tout de la démocratie. Hein. Et c'est peut-être parce qu'on s'est enfermé dans cette idée que la démocratie, c'était le synonyme de la démocratie représentative, c'est-à-dire le soin des électeurs par le truchement de l'élection de désigner des représentants qui vont incarner une souveraineté populaire qu'on leur a déléguée. C'est pas la seule définition possible de la démocratie. Dans une définition plus large, la démocratie, c'est d'abord l'égalité des citoyens. C'est d'abord cette égalité fondamentale qui fait la souveraineté populaire. Et c'est en ce sens-là que je crois que Internet réanime quelque chose d'un idéal étendu de la démocratie. Moi, je me réfère beaucoup à... Voilà, aux travaux que pourrait faire Jacques Rancière sur cette question. C'est-à-dire que c'est dans son livre, La haine de la démocratie. Par exemple, hein, par exemple, et dans tout son travail, en fait, sur l'idée d'égalité. D'égalité, le n'importe qui. Sans privilège peut agir dans la démocratie. Voilà, le n'importe qui, quelle que soit son identité, ses qualités ou ses compétences, cette idée que il y a une intelligence de tous et qu'elle est absolument égale et qu'une manière de la reconnaître comme égale, c'est d'instaurer des systèmes dans lesquels on puisse ne pas créer ces formes de distribution ou de délégation qui sont le propre de la démocratie représentative. Alors en ce sens-là, effectivement, je crois qu'Internet est venu... c'est simplement une technologie, hein, faut faire très attention. C'est un outil technologique, on va sans doute en parler tout à l'heure, on peut en faire tout ce qu'on veut dans tous les sens, c'est des tuyaux. Mais simplement... C'est un réseau, ça circule. C'est un réseau des technologies, des machines, des branchements, et qui sont disponibles pour des usages. Et ensuite, c'est finalement nos manières de l'utiliser qui vont lui donner tel ou tel sens. Et je crois qu'un des sens effectivement importants, c'est de dire, et je crois d'ailleurs quand on regarde l'histoire d'Internet, il s'est très peu associé à l'idée de la démocratie représentative, mais plutôt à quelque chose qui serait la société civile. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil qu'on a donné à la société civile au sens de l'individu, de l'association, du collectif, du groupement, des formes d'engagement, des formes de mobilisation, du mouvement social. Et c'est plutôt du côté d'une ressource donnée pour revivifier la société civile que se jouent les usages les plus riches et les plus intéressants d'Internet, beaucoup plus que d'un outil qui serait un nouvel outil de communication politique pour les élus, les représentants, les gouvernants. Ça joue un rôle maintenant, on voit bien dans les campagnes électorales, hein, mais ça joue un rôle à côté des technologies de persuasion traditionnelles. C'est une vision instrumentale très pauvre d'Internet. Oui. C'est à nouveau faire passer le message des communicants. Voilà. Alors, simplement, moi je suis dans une position un peu ambiguë. C'est-à-dire, je pense que Internet ne se fait pas contre la démocratie représentative. Parfois on le voit comme ça, hein, c'est cette idée que finalement Internet pourrait se substituer à la démocratie représentative. Moi, je crois qu'en fait, ça vient rééquilibrer un rapport de force qui est un rapport de force qui s'est considérablement déséquilibré entre l'espace public restreint des élus, des gouvernants et des médias traditionnels, et puis des citoyens qu'on entendait à travers les urnes pour les élections, et puis dans les petites rubriques que les médias traditionnels leur livraient quand on acceptait du courrier des lecteurs ou bien des auditeurs sur l'antenne. Alors là, on redonne du pouvoir à cette société civile dans sa capacité expressive entre deux moments électoraux et puis dans cette possibilité de dire, de commenter, de se coordonner, de faire pour soi sans penser au marché et à l'État et aux représentants, de produire du commun, de l'organisation, du mouvement social, de la critique et puis beaucoup aussi de bavardage, de sociabilité, enfin tout ce qu'est l'Internet d'aujourd'hui. Mais quand vous écrivez dès le début, au fond, Internet, la nébuleuse Internet constitue un laboratoire à l'échelle planétaire des alternatives à la démocratie représentative. Ce que vous voulez dire, c'est que, au fond, ce qui importe, c'est qu'est-ce que nous allons en faire. C'est-à-dire qu'il y a une bataille qui se mène et qu'il faut qu'on invente sur Internet, comme on invente des alternatives à la crise de la presse ou à une presse traditionnelle coupée de ses lecteurs, qu'on invente
une démocratie nouvelle, plus approfondie, plus permanente, plus s'inventant dans une co-invention entre les citoyens et ceux qui les représentent. Mmh. C'est donc une bataille. Oui, il y a une bataille parce qu'il y a de l'inventivité. On sent bien aujourd'hui qu'il y a quand même un modèle qui est un peu sclérosé, qui ne sait plus se réimaginer lui-même. Et puis des formes d'invention qui sont beaucoup plus présente dans l'espace de la société civile et du coup de la société civile numérique. Il y a d'abord une bataille pour la conversation, pour la reprise de parole. Enfin, je crois que c'est très important. Et puis, c'est vrai que du côté des mouvements sociaux, des manières de faire du collectif, on a vu se constituer et dans les mouvements sociaux et dans les mouvements sociaux sur Internet des formes d'organisation de la coopération qui sont très... alors, elles ne sont pas entièrement nouvelles. On les avait déjà vues dans certaines formes d'organisation libertaire ou anarchiste. Mais des formes de coopération relativement horizontale. Alors, je dis bien relativement parce qu'en fait, quand on les regarde de près, ce n'est pas si horizontal que ça. Oui, en tout cas, il y a des nouvelles hiérarchies qui se créent sur d'autres bases. Mais en tout cas, des coopérations dans lesquelles on ne délègue pas son autonomie, son pouvoir d'agir à un représentant ou à un chef ou à un comité ou à que sais-je encore. On essaye d'imaginer des formes de coopération relativement originales et nouvelles. Et ça, c'est vrai que dans l'histoire d'Internet, il s'est créé des espaces dans lesquels il y a eu une innovation très forte qui s'est faite. C'est le logiciel libre, je crois, qui est un des endroits... Mediapart, pour ceux qui ne sauraient pas, est un logiciel libre. Et vous êtes un des multiples utilisateurs de cette technologie qui a accompagné l'histoire de l'Internet, c'est-à-dire l'idée que on travaille de façon coopérative sans que quelqu'un nous ait donné l'instruction de travailler. On travaille parce qu'on a une passion, on a un centre d'intérêt et qu'on va le faire à plusieurs et que surtout ce qu'on a fait va être repartageable. Wikipédia en est un autre exemple. Et puis moi je crois que... C'est l'encyclopédie participative dont il est montré qu'au total... À plusieurs, on n'est pas, je crois que vous le rappelez, on n'est pas moins intelligent que les savants, puisqu'il a été montré, en tout cas dans la version anglaise, qu'il n'y avait pas plus d'erreurs dans Wikipédia que dans certaines éditions imprimées de l'Encyclopédia Britannica. Oui. Aujourd'hui, il y a 7-8 ans, il y avait encore des gens du monde des lettrés pour nous dire que Wikipédia était un plein d'erreurs, que c'était une catastrophe, qu'on avait donné la parole... Enfin, on avait laissé le travail encyclopédique à des ignorants et que c'était grave. Bon, aujourd'hui, ils ne le disent plus parce qu'ils savent qu'en gros, dans le Wikipédia central, en tout cas, les articles qui sont sous la surveillance de la communauté, en fait, sont des articles stables. Et c'est exactement l'argument de Jacques Rancière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, ce très beau livre de Rancière qui s'appelait « Le maître ignorant ». Et voilà, c'est cette idée qu'en fait, le maître ne transfère pas du savoir vers des gens qui seraient ignorants, mais que nous sommes tous ignorants, le maître ne fait en fait que révéler l'intelligence de chacun. Et que ce qu'il doit faire, c'est trouver les bonnes procédures pour que chacun puisse exprimer sa forme propre d'intelligence et que parce qu'il est attentif et parce qu'il le surveille, parce qu'il vérifie que la coordination ou l'actualisation de ses compétences se fait dans un cadre qui peut être un cadre que chacun surveille et contrôle et corrige par un processus éducatif, le maître agit dans son efficacité propre qui est de révéler l'intelligence de chacun. Et je crois que Wikipédia ne fait que ça. Finalement, cette chose que l'on pensait absolument... Moi, on m'aurait dit ça il y a 5 ans, j'aurais pensé ça inimaginable. Enfin, il y a 10 ans. Effectivement, n'importe qui peut écrire l'encyclopédie. On n'a pas besoin de leur demander leur diplôme. Et au-delà de ça, il y a une découverte qu'on vit tous, que nous, on a vécu comme journalistes, que vivent ceux qui contribuent ou qui lisent dans le club participatif de Mediapart. C'est cette idée qui renvoie à ce livre de Rancière, du maître et de l'ignorant. Chacun vient avec son histoire, avec son expérience, avec son savoir. Mais au fond, nous sommes tous devenus des autodidactes. C'est-à-dire, nous avons des savoirs, mais Internet nous rappelle le savoir, les connaissances qu'il y a sur Internet, sur le présent comme sur le passé, qu'au fond, il y a une autodidaxie permanente. Et c'est formidable, ça nous rajeunit. Absolument. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Mais je crois que c'est la meilleure façon, en fait, d'entrer dans ce monde, c'est-à-dire finalement de bien l'apprivoiser, c'est dans ce réflexe-là, c'est que finalement je sais des choses, j'ai des compétences, j'ai des qualités, mais je vais aussi me mettre en situation d'apprentissage et tout le monde apprend de ce processus. Et évidemment, le club Mediapart ou tous ces endroits d'expression le manifestent très bien. Peut-être juste une petite entrée sur cette question, parce que je pense que c'est un point de débat important avec la question Mediapart aussi, qui est, il y a
On a redonné la liberté expressive à chacun. On peut dire, penser, écrire, réfléchir, apprendre. Et puis, il y a la question du journalisme et de la factualité. Alors, comme je sais que vous êtes sensible à cette question, c'est que tout le monde ne produit pas non plus. Cette idée qu'on avait aussi avec l'Internet des origines, c'est que tout le monde puisse produire de l'information. Tout le monde produit du savoir, produit de la connaissance, produit de l'échange, produit de la subjectivité, et c'est essentiellement démocratique. Mais il reste des fonctions centrales pour lesquelles on a besoin que... Alors, je dis des professionnels, ils n'ont pas besoin d'être professionnels, en fait, mais on a besoin que des enquêteurs plus armés aillent chercher la factualité des faits, notamment quand les faits sont cachés. Et je pense qu'on a un peu confondu avec Internet ces deux questions, cette idée que on ouvrait à la liberté expressive une capacité démocratique nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toujours besoin, parce que ça, les internautes ordinaires n'y ont pas accès, que des gens comme Mediapart aillent chercher les faits quand les faits résistants ont été cachés. Mais on est au cœur de ce que vous disiez au début en disant ça revivifie des traditions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un enjeu de revivifier un idéal démocratique qui s'était appauvri, de remettre cette vieille tradition, mais inaccomplie, inachevée, au cœur de la modernité. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette idée que le débat d'opinion, si c'est uniquement des opinions subjectives qui s'affrontent, il sort du réel. Il faut mettre au cœur du débat d'opinion le rapport à une réalité. Parce qu'une des ruses, et on le voit bien avec ces grosses machines, je vais citer un exemple, allez, tant pis pour la concurrence, le Huffington, qui est une grosse machine d'agrégation d'opinions, devenue une grosse machine à de l'argent, à faire de l'argent, et très loin l'authentique gratuité démocratique. On agrège des opinions, mais on ne produit pas d'informations. Et là, il y a une ruse de la marchandise. Parce qu'au fond, l'opinion, c'est tout passe, c'est le buzz de l'opinion. Et on sort d'un rapport constructif ensemble à la réalité. Est-ce que je caricature? Oui, alors là, je pense que vous êtes au cœur d'un point qui est un point très tendu, en fait. Parce que moi, je crois que le fait qu'il y ait de l'opinion, c'est très bien. Même si, effectivement, elle est aussi récupérée par des opinions qui critiquent le journal qu'on aime. Qui critiquent c'est le journal. La nouveauté qui nous permet de nous dire, voilà, c'est pas bien ce que vous avez fait, Mediapart. Mais que ça bruisse, que ça discute, que ça bavarde, que ça se dispute, que ça insulte, que ça parte dans tous les sens, etc. Finalement, moi, je pense que nos démocraties souffrent d'avoir une société civile atone, peu vibrante et que c'est nécessaire. Mais et c'est là qu'on entre dans des débats, ça ne fait pas de la critique. Ça fait toute cette sorte de vivacité démocratique qui est importante. Mais pour faire la critique, il va falloir qu'on ait besoin de faits. Et qu'on va avoir besoin de prendre appui sur des formes de production de faits, de vérité. Vérité de fait, la philosophe Hannah Arendt, qui en anglais disait factual truth. Voilà. Alors, le problème de vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mot compliqué, mais en fait, c'est bien de vérité factuelle dont on... L'affaire Cahuzac, c'était bien une affaire de vérité et de mensonge. Voilà, absolument. Et il a commencé, vous savez, comment il a contré nos révélations, par deux tweets. Oui, comme quoi. En disant, sur Twitter... Je poursuivrai tous ceux qui reprennent cette information. Donc le réseau social peut être aussi un instrument à l'appel à la censure, à taire la vérité, à tuer la vérité. Absolument. Absolument, on est dans le système. Et le risque, effectivement, dans un système où on est simplement dans des opinions, c'est que face, et c'est une des logiques assez complexes, enfin assez problématiques de nos démocraties actuelles, c'est que le discours des pouvoirs est un discours qui est aujourd'hui dominé par des techniques de communication professionnelles, de storytelling, de petites phrases, etc. Et que lui aussi, il produit de l'opinion. Donc c'est, finalement, il engendre une machine à produire de l'opinion. Donc il y a toujours besoin de cet endroit précis où on peut aller chercher ces vérités qui sont des vérités qui vont déranger l'opinion pour, en fait, relancer... dans le débat démocratique, citoyen et ordinaire, relancer l'opinion autour de faits critiques qui puissent s'exercer à l'égard de la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne, sachant que la critiquer, c'est évidemment la renforcer dans ses fondements. Alors, dans vos formulations, je vous écoutais attentivement, vous disiez, c'est pas contre, c'est pour faire bouger la démocratie représentative, cette idée, au fond, on délègue son pouvoir, mais c'est aussi l'idée chez les professionnels de la politique que pendant 5 ans, on le perd. C'est-à-dire qu'on les a élus, puis après, ils se foutent un petit peu de leurs promesses, de nous-mêmes, et on attend le tour suivant. Donc, c'est cette idée que la démocratie est un référendum permanent. Dans votre livre, vous êtes quand même un peu plus sévère.
La société démocratique, dites-vous, avec la potentialité d'Internet, sort de l'orbite de la politique représentative. Ce déplacement nous montre ce que l'espace public traditionnel a de paternaliste. Au fond, il s'est toujours méfié du public et a inlassablement cherché à le protéger contre les autres et surtout contre lui-même. La méfiance à l'égard d'une parole sans contrôle ni censure, dites-vous à propos de ce qui accompagne la politique représentative, et on le voit bien avec ceux qui veulent censurer Twitter, ceux qui veulent intervenir par la loi contre la libre expression dans son désordre, la méfiance à l'égard d'une parole sans contrôle ni censure, écrivez-vous, cache une méfiance plus grande encore à l'égard, à l'endroit d'une société auto-organisée. Les procureurs de l'espace public numérique ne parlent jamais pour eux, mais toujours pour les autres. Eux savent, contrôlent, trient la bonne et la mauvaise information, ne sont dupes de rien. Mine de rien, là, il y a quand même un appel à renverser la table. À l'évidence. Non, non. Allez, moi, ce que je crois que fait voir Internet, c'est effectivement l'incroyable paternalisme et dans les critiques qui sont faites à Internet à l'égard de cette idée que si on laisse les gens prendre la parole sans avoir filtré et trié les informations, ce qui était le propre du rôle des médias, des gatekeepers traditionnels, ça va être lâché en ligne, ils vont dire tout et n'importe quoi, ça va être une immense poubelle, tout va pouvoir se dire. Cette méfiance vis-à-vis de l'idée que Internet serait le lieu de toutes les rumeurs, de toutes les thèses conspirationnistes, ce qui n'est pas faux, hein, mais constante. Et je pense qu'il y a une liberté il y a une méfiance fondamentale vis-à-vis de la liberté d'expression des citoyens. Alors moi, je rappelle toujours cet argument qui était central chez les pères fondateurs américains de la liberté d'expression, c'est que nous ne déléguons notre souveraineté populaire que parce qu'elle est enracinée dans la liberté, qui est un argument de John Stuart Mill, parce qu'elle est enracinée dans notre liberté d'expression. Et donc, en fait, cette délégation que nous faisons de notre souveraineté à nos représentants, nous leur donnons le droit de tout faire en notre nom, par l'élection, sauf une chose, brider la liberté qui est constitutive de la délégation que nous avons faite à leur destination. Et donc, en fait, les gouvernants, finalement, nous leur donnons le droit de faire beaucoup de choses en notre nom, sauf une seule chose, c'est nous empêcher de penser, de dire et de formuler des critiques. Et c'est en ce sens-là que c'est l'articulation, moi, je crois, nouvelle, qui est en train de se mettre en place avec des frottements, hein, mais entre un espace public qui peut s'exprimer sur Internet et la démocratie représentative, c'est de la continuité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a entre les élections, il y a plein d'autres choses. Et ça rejoint, du coup, beaucoup de choses qui étaient liées au mouvement social. Après tout, la grève, la manifestation, les manières dont les peuples pouvaient s'exprimer entre deux temps électoraux, sont trouver les formes du mouvement social pour s'organiser, pour être canalisé, pour infléchir les décisions qui allaient être prises au Parlement. On a aujourd'hui un nouveau canal d'expression aussi pour travailler sur l'opinion de nos représentants élus, c'est l'expression sur Internet. Cette question de la démocratie participative, au fond, ce mot n'appartient pas à une ex-candidate à la présidentielle, c'est un mot qui fait partie du débat politique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de démocratie à inventer. Il est totalement lié au débat qu'aura lieu ce soir, hein, comment sortir du verticalisme de la Ve République. Et il est aussi au cœur d'un événement sur lequel les réseaux sociaux et l'enjeu numérique, ce réseau mondial, a joué, qui est évidemment ce qu'on appelle les révolutions arabes, en tout cas l'événement tunisien qui a ébranlé toute cette ère géopolitique avec des pays très différents les uns des autres. Je dis ça parce que dans le livre que vient de sortir Moncef Marzouki, qu'on a accueilli à Mediapart quand il était opposant à la dictature de Ben Ali, qui est aujourd'hui le président de la nouvelle République tunisienne dans une situation complexe, l'invention d'une démocratie, où il plaide pour l'invention d'un nouveau type de système politique, eh bien, chez lui, là, il y a plein de pages sur Internet, sur l'effet du numérique dans un pays autrement pauvre par rapport au nôtre, impliquer les citoyens dans les affaires publiques, écrit-il. L'implication signifie la construction d'une démocratie participative, parce qu'on observe bien partout dans le monde les limites de la démocratie représentative. Il parle de l'objectif du projet. Alors, c'est extraordinaire quand on entend les élus s'étonner de la transparence. Il parle de OpenGouvTN, lancé en novembre 2011 par un groupe indépendant qui milite pour la consécration des principes de la transparence totale et la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques. Il propose de défendre mordicus la neutralité du web. Et il dit la meilleure façon de lutter... Il dit qu'il y a un vrai ennemi, la mauvaise herbe, le pire adversaire, c'est la corruption.
on est encore, hein, les affaires françaises, les affaires tunisiennes, hein, de cette difficile... Donc, c'est la mauvaise herbe, la corruption, dit-il. Elle repousse en permanence, y compris dans les meilleurs systèmes. Et là, il dit, la meilleure façon de lutter contre elle, c'est d'avoir une bonne tondeuse et de la passer régulièrement. Et ça, c'est l'invention démocratique. Est-ce que c'est un mythe de lier la révolution numérique aux révolutions arabes? Ou est-ce que pour vous, sociologue, on le voit là, il y a quand même un impact au-delà des mots? Ben, je crois qu'il faut faire très attention avec cette affaire-là, parce que, encore une fois, c'est des machines, des tuyaux, des câbles, c'est une technologie, pas de déterminisme technologique, c'est pas les technologies qui produisent de la mobilisation, de la révolution, etc. On sort d'un siècle en Europe où on sait que les technologies peuvent produire la barbarie, les champs à gaz. Elles peuvent, les bombes atomiques. Et avec Internet, on peut faire... Les drones. De la mafia, des réseaux financiers, tout d'autres choses qui sont compliquées. Mais évidemment, Internet est devenu un moyen dont se sont saisis notamment les jeunesses des mondes arabes pour faire exactement ce qui est, je crois, le propre de l'événement révolutionnaire, au sens vraiment où c'est un événement, c'est-à-dire une mobilisation des affects qui se sont coordonnés, qui ont pris la parole, qui ont tout d'un coup osé dire des choses qui n'étaient pas dites dans les réseaux de sociabilité, qui ont eu l'audace et le courage d'agir parce qu'ils voyaient que ce qui était en train d'être dit se révélait de l'un à l'autre à travers les réseaux sociaux. Et ça, les réseaux sociaux, au sens où c'est de la conversation qui progressivement, de petit groupe à petit groupe, se contamine mutuellement, elle donne une sorte de carburant et d'énergie qui a, à l'évidence, servi à partager, à échanger dans les révolutions arabes. Et là, je crois que ça a joué un rôle très important. Mais on voit bien cette tension qu'il y a entre la démocratie représentative et puis cette démocratie du mouvement social de la société civile. C'est que, et c'est un des points centraux, on pourrait dire, de l'esprit d'Internet, hein, c'est qu'Internet, on ne vote pas, on ne cherche pas la représentativité. On donne la prime à ceux qui agissent, à ceux qui s'engagent, à ceux qui... Alors, on donne plus de possibilités de s'engager à beaucoup plus de gens, mais on est dans une logique d'avant-garde, de gens conscientisés, de gens qui se sont saisis, et puis ceux qui ne s'en saisissent pas ne sont pas présents. Et donc, on n'est pas dans la logique du vote où on a un corps électoral représentatif. Et donc, on a forcément ces décalages qui se font entre ceux qui manifestent et puis ceux qui votent. Et donc, les décalages dont on voit les tensions et l'effet d'apprentissage qui va sans doute être long dans les nouvelles démocraties tunisiennes et égyptiennes sont liés au fait que on a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement social, puis quelque chose qui est de l'ordre de dans les urnes on a des attachements, des traditions, des socialisations, des fidélisations, puis des clientèles qui ont été constituées avec des techniques particulières qui font que les votes peuvent s'orienter différemment de ce qu'on a vu sur Facebook. Donc on a deux images différentes, des deux manières de faire du commun dans ces deux représentations de la démocratie qui sont un peu en tension l'une avec l'autre. Mais à en croire Marzouki, on peut évidemment faire profiter la démocratie représentative de ces nouveautés de l'Internet, qui est la discussion, l'espace public élargi, l'open gouvernement et des éléments de cet ordre-là. Alors, vous avez employé un terme qu'il faut nuancer, parce que vous dites avant-garde. En fait, ce n'est pas l'avant-garde au sens traditionnel de ceux qui savent ce qu'est le bien du peuple à leur place. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, justement, il y a derrière les potentialités, encore une fois, c'est les usages sociaux, on va le répéter à chaque fois, donc engagez-vous, allez-y, impliquez-vous, qui est au fond de concrétiser une nouvelle dialectique dans des sociétés qui sont des sociétés d'individus. Nous faisons groupe, nous faisons société, et en même temps nous le faisons à partir de nous, des individus. Oui. Et est-ce qu'au fond, les potentialités du numérique, d'Internet et de tous les modes d'action sur le numérique, c'est cette idée que nous arrivons à assumer notre liberté individuelle, cette idée que nous sommes comptables de notre liberté, nous sommes requis par notre liberté, donc nous pouvons être les héros de notre liberté, dans une dynamique qui se lie aux autres, qui se lie au collectif, qui n'est pas l'individu se dissout dans le collectif, mais dans une interaction. Alors ça, c'est vraiment, je crois, le cœur de ce que Internet dit sur les transformations de nos sociétés contemporaines vers une demande d'autonomie, d'individualisation, qui n'est pas l'individualisme solitaire et égoïste, mais qui est effectivement que toutes les formes collectives qu'on voit apparaître aujourd'hui dans le mouvement social, sur Internet, etc., sont des formes collectives dans lesquelles l'individu ne se dissout pas dans le collectif. Donc je me suis effectivement très mal exprimé en disant l'avant-garde traditionnelle... Juste pour préciser. Non mais parce que c'est très important en fait. C'est pas l'avant-garde traditionnelle au sens où elle vient avec un corpus de doctrine et puis elle cherche de façon paternaliste comme les autres... Et à manipuler le peuple... À dire les autres. Mais en revanche, il y a dans
l'individualisme d'Internet, quelque chose qui est aussi auquel je crois il faut être sensible parce que c'est un point critique important, cette idée qu'il y a ceux qui agissent et ceux qui n'agissent pas. Et qu'on crée une nouvelle inégalité, une nouvelle tension entre des individus qui effectivement vont accomplir leur projet créatif et qui vont le faire en commun. Hein, ça, j'insiste beaucoup en fait sur Internet, on fabrique avec les autres. On fabrique en produisant de façon émergente des contenus programmatiques. Les contenus programmatiques ne sont pas préalables à l'engagement, mais on crée une tension entre les agissants et les non-agissants. On crée une tension dans laquelle vont se remettre en scène des dynamiques qui peuvent être des dynamiques assez inégalitaires, au fond. Hein? Comment vous voyez, à propos plutôt des anciennes inégalités qui sont bousculées, vous êtes dans le milieu de la recherche, le fait qu'une partie du monde intellectuel, du monde académique, ou du monde médiatique, et parlons aussi du monde politique, a une vision caricaturale du numérique encore, crispée par rapport à ça. On pourrait citer des exemples, Alain Finkielkraut, d'autres, hein, qui voudraient, mais d'autres ont dit des propos hein, parlant du tout à l'égout, de la démocratie, etc. Est-ce que c'est simplement que cette dynamique démocratique met en évidence leur attitude oligarchique? Ou est-ce que c'est plus complexe? Ben, oui, ça la met en évidence. C'est en train de passer. Hein. Moi, je me rends compte ça va leur passer très vite. Hein. Ils se rendent compte que là, je pense qu'ils ont perdu. Je crois qu'ils ont. On le voit. Moi, je dis pas pour ces quelques figures qui. Là, de toute façon, il y aura toujours un marché de niche pour le discours critique. Le conservateur grognon. Voilà. Grognonieux. Et qui est toujours utile d'une certaine manière. Je pense qu'il remplit. But de témoin. Il remplit son rôle comme but de témoin. Mais pour les chercheurs, on a déjà basculé depuis très très longtemps dans cette idée, hein, mais notamment parce qu'on a un accès maintenant à la production collective des autres chercheurs, qui est beaucoup plus ouverte. Alors le combat n'est pas terminé, hein. Il y a notamment tout ce qui est la publication ouverte pour les chercheurs, le fait que nos publications scientifiques sont toujours données à des grandes entreprises, Elsevier notamment, hein, qui gagnent énormément d'argent, alors que, et ceux qui fabriquent les articles, les recherches, et ceux qui... financent les recherches. Et aussi tous les comités éditoriaux qui sont tous bénévoles, hein, font ça tous de façon bénévole pour ensuite donner des articles à des entreprises commerciales qui nous interdisent de les republier sur nos sites personnels. Alors il y a encore quelques combats comme ça à gagner, mais l'idée en tout cas qu'on a accès à un savoir beaucoup plus ouvert, beaucoup plus divers grâce à Internet, ça c'est déjà acquis depuis longtemps. Ceci étant, il y a encore des choses importantes, hein, et notamment, moi je pense, je suis assez sensible à cette question, qui est qu'on est en train tous de parler en anglais, et on est en train tous de lire et d'écrire en anglais, alors qu'il y a toute une production scientifique dans d'autres langues, on le voit beaucoup pour l'histoire, avec les traditions des Indiens, des Brésiliens, etc., qui produisent aussi de la connaissance et du savoir, auquel peut-être que... tout ouvert qu'il soit, soit-il, le monde de l'Internet nous donne la seule barrière, ça reste la langue. Il y a encore des barrières sur ces questions, oui, je crois. Il faut utiliser Internet pour créer de la polyglottie. Voilà, ce serait un langage pluriel. Etc. La question que vous venez de dire sur comment il y a, au fond, un détournement de valeur au profit d'opérateurs privés, des recherches faites pour le bien commun, amène à parler de ce livre de Fred Turner que vous avez préfacé aux sources de l'utopie numérique. Alors, je résume, et Stewart Brand est un personnage, vous allez nous le raconter, qui, si on comprend bien le propos du livre, incarne comment, d'une logique de contre-culture qui va rencontrer les bidouilleurs d'ordinateurs et du numérique, on est passé aussi à une ruse de la marchandise, c'est à une ruse du marché, puisque, au fond, on s'aperçoit que, finalement, ils ont aidé un nouvel esprit du capitalisme. Donc, c'est quand même la part d'ombre là, qu'on va aborder d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a une bataille pour la liberté contre les pouvoirs, mais il y a aussi ceux qui veulent l'argent pour l'argent, et qui sont nos adversaires. Racontez-nous Stewart Brand. Ben alors, c'est vraiment un livre extraordinaire, hein, ce livre de Fred Turner, c'est une biographie en fait, de Stewart Brand, qui est en fait une biographie culturelle et politique de l'Internet, parce que Stewart Brand était partout. Hein. Donc c'est
un hippie scientifique des années 60, qui a été avec les artistes, qui a été avec les Indiens Navajo, qui a été distribué du LSD avec Kevin Kesey en 67 pendant les grands mouvements contre-culturels de San Francisco, qui a filmé la fameuse première connexion Internet en décembre 68 dans le laboratoire de Doug Engelbart entre les ordinateurs, puis qui a ensuite fondé un catalogue de la contre-culture. Woolworth Catalogue. Le Woolworth Catalogue. Mais alors, le problème, je ne sais pas si la caméra peut montrer, parce que là, c'est une image du réseau, au fond, hein, d'Internet, et là, c'est les pages du premier numéro. Et on voit déjà que dans la maquette, l'idée, c'est qu'il y avait tout. Hein, c'est une sorte de bazar. Hein, on peut aller chercher tout pour voyager, pour s'équiper, pour faire l'amour, pour se cultiver, etc. Mais comme on le voit avec tous ces petits ronds, c'était sur du papier construit avec un imaginaire du réseau, absolument, du lien. Absolument. Hein, qui permet... c'est un objet fétiche maintenant, hein, oui. qui est très étonnant. C'était le catalogue pour les communautés hippies qui allaient vivre dans les forêts américaines. Il l'a créé pour ça. Hein, comment aller vivre dans les communautés hippies. C'est une sorte de catalogue La Redoute de la communauté hippie. Et donc, on avait plein de techniques, d'outils, de comment vivre, comment faire de la nourriture macrobiotique, etc. On avait beaucoup de choses sur les pensées indiennes, bouddhistes, un peu New Age, qui étaient... Et on a vu apparaître dans ce catalogue la première préfiguration sur du papier de ce qu'allait devenir l'ordinateur personnel. C'est-à-dire que les hippies ne détestaient pas la technologie. Et c'est ça qu'essaie de montrer Fred Turner de façon très forte. C'est que, alors que les gauchistes de l'époque détestaient la technoscience, hein, parce que les ordinateurs de l'époque, c'était IBM, c'était les grands ordinateurs... C'était l'armée. Collectifs, c'était l'armée, l'administration et les grandes entreprises. Pour eux, un ordinateur était forcément une chose collective. Et les hippies vont venir dire, avec Doug Engelbart, avec tout ce mouvement, ils vont venir dire, non, l'ordinateur doit être quelque chose de personnel. L'ordinateur doit augmenter les individus. Et c'était le grand thème des inventeurs de l'ordinateur personnel dans les laboratoires de Menlo Park, près de Stanford, cette idée que l'ordinateur doit augmenter l'esprit. C'est une technologie qui n'est non pas une technologie d'asservissement comme l'était la technoscience, mais c'est une technologie qui, rendue aux individus, va leur permettre de faire lien, de faire connexion, et du coup de faire communauté. Et Stewart Brand va inventer, c'est-à-dire que les communautés hippies qui avaient échoué dans les forêts, ça s'est quand même très mal terminé, toute cette aventure, les rapports de hiérarchie sont réapparus, les rapports de domination, de sexe, etc. sont réapparus, ils sont rentrés des forêts dans leur maison, on pourrait dire, et dans leur maison, Stewart Brand va dire, mais vous avez un ordinateur, vous pouvez faire communauté ailleurs que dans les forêts, c'est sur Internet, et le Woolworth Catalogue va devenir un catalogue électronique en ligne, qui va devenir The Well, qui est la première communauté électronique en ligne, qui est l'endroit où c'est mis en place l'idée même de la communauté qui accompagne l'histoire d'Internet depuis tout le temps, et cette idée que finalement, le projet avorté d'émancipation à travers la forme communautaire de la contre-culture américaine va être réinvesti dans l'imaginaire du réseau et du coup de ses premiers utilisateurs et du coup va avoir une influence forte, je crois une influence politique assez forte sur l'histoire qui va suivre d'Internet. Mais alors, la surprise quand même dans cette histoire, enfin la surprise par rapport à tout ce qu'on vient de dire, regardez la démocratie Internet, vous l'expliquez très bien dans la préface, c'est que si Stewart Brand, les questions de justice sociale et d'égalité n'étaient pas vraiment son problème, il était plutôt conservateur, qu'à partir des années 80, quand commence la libéralisation un peu forcenée de l'économie, il va aller de ce côté-là, du côté du business et des affaires. Il va fonder Wired, qui est un peu le journal de référence. Et vous rappelez que Wired a défendu tout ce qui était du côté de la dérégulation économique, a mis... En une, le leader républicain Newt Gingrich, qui est vraiment le symbole des néo-conservateurs. Il a fait alliance avec un born-again Christian, donc vraiment ceux qui animent un peu le retour en arrière idéologique aux États-Unis. Et je lis votre commentaire. « Loin de bouleverser les hiérarchies sociales, comme longtemps proclamé Wired et les prophètes du réseau, l'expressivité connectée des engagés de l'Internet a sans doute plus transformé les modalités d'exercice de la domination » que la composition sociale des dominants. On est à 5 ans de Mediapart. Comment faire, selon vous, pour que Mediapart, qui essaye d'inventer un nouveau journal, ne soit pas, à la fin, au service, à nouveau, des dominants? Comment faire pour que notre aventure de liberté, confirme cette promesse. Mais alors, c'est très inscrit dans. Mais alors, on le retrouve. Voyez le sens de la question, parce que c'est un. On voit bien qu'il y a une machine qui est une ruse. Elle fait tout trébucher. Oui. Et le marché reprend. Oui.
Et bon, je dis, c'est une question pour penser contre soi-même, mais enfin, je me fais l'avocat du diable. Mais elle est au cœur d'un paradoxe. Alors, moi, je pense beaucoup, on est très aidé en France pour lire Fred Turner par le livre que Luc Boltanski et F. Chapelot avaient écrit sur le nouvel esprit du capitalisme, parce que c'est exactement ça qui est illustré, en fait, dans cette histoire d'Internet. L'esprit des pionniers enferme cet idéal individualiste d'émancipation par l'affirmation de la créativité de chacun. Et cette affirmation, qu'on voit dire libertaire, hein, et qui était vraiment libertaire, et pour Stewart Brand qui était libertaire dans cet esprit, elle a accompagné l'esprit des pionniers dans une hostilité à l'État, et du coup à la démocratie représentative, etc. Alors, être hostile à l'État, est-ce que ça veut dire qu'on est hostile au marché, hein? Et donc on voit bien qu'en fait, c'est créer deux branches, hein, dans cet esprit des pionniers. Une branche qui hostile à l'État, mais tout à la gloire, finalement, de la réalisation de l'expression des individus dans une forme d'autorégulation, qui est aussi l'hymne des tenants du marché, qui est un système autorégulé. S'enrichir pour s'enrichir, les paradis fiscaux, mettre l'argent de côté, ne pas contribuer à la communauté au sens financier, c'est ça? Oui, mais c'est aussi tout l'esprit de la Silicon Valley. C'est-à-dire que c'est pour eux, le marché, ce n'est pas ces grands empires, c'est d'abord ces petits créateurs qui, parce qu'ils ont fait œuvre de création, peuvent s'enrichir, et s'enrichir jusqu'à capturer la valeur. Hein. Et donc, on voit bien qu'il y a cette tendance-là qui est présente. Elle est, pour l'illustrer simplement, finalement, Apple, cette entreprise, ce mastodonte dominant aujourd'hui, bon, il y a deux fondateurs. Hein. Il y a Steve Jobs, 9 mois en Inde, pieds nus, lecteur du Woolworth's catalogue, etc., entièrement dans cette contre-culture, qui va ensuite qui va devenir le Steve Jobs que l'on connaît, et Steve Wozniak, son acolyte, son compère, le génie, le hacker. Le vrai inventeur. Celui qui fait l'Apple II. L'Apple II, c'est une machine ouverte, c'est une machine qu'on peut bricoler, c'est une machine qui, en fait, invente l'ordinateur personnel. Il y a le Altair, enfin, il y a quelques ordinateurs, mais 75-76, c'est le moment où Jobs et Wozniak vont inventer cette machine ouverte qui redonne du pouvoir aux individus. L'Apple II est ouvert. Et c'est une branche qui va donner toute la génération du logiciel libre, du hacking, de la culture ouverte, des biens communs et de toute une tradition qui est un héritage de l'esprit des pionniers. Steve Jobs va, quelques années plus tard, dire « mais on va fermer cette boîte, hein, on va l'appeler le Mac ». Et cette boîte, personne ne pourra y avoir accès. Elle va devenir cette entreprise absolument florissante qui devient… Plus forte capitalisation. Alors la plus forte capitalisation qui ne joue pas du monopole, puisqu'elle est le petit contre Microsoft à l'époque, mais qui va très rapidement devenir en fait ce grand monopole, et qui est une machine qui est absolument fermée, qui réinvente le kiosque aujourd'hui avec iTunes, et qui est devenue ça. Donc je pense que ces deux potentialités sont présentes dans l'esprit individualiste, de l'individualisme créatif des origines, et qu'ensuite, c'est les directions qu'on va lui donner qui vont faire l'orientation. Alors moi, je souhaite et je pense que Mediapart n'est pas dans la direction. On n'est pas trop inquiet, hein, mais c'était pour dire que c'est un enjeu qu'il faut... Il y a un écosystème, en clair. Mais il n'y a pas seulement les aventures personnelles. C'est quelle loi, quel climat on crée. Oui. C'est des enjeux d'aujourd'hui par rapport à la neutralité, par rapport au droit d'accès, par rapport au conflit d'intérêts, par rapport au rapport entre ce qui est public, ce qui est privé. Il y a des enjeux qui ne peuvent passer que par une nouvelle loi fondamentale sur toutes ces questions, non? Oui, alors il y a la loi fondamentale, mais il y a même une co-appartenance, hein, j'insiste là-dessus. Oui. Ces deux modèles, ils co-appartiennent au même univers, hein, qui est l'autonomie de l'individu. Hein. L'univers, vous voulez dire démocratique, et l'univers du marché. Voilà, et de l'univers dans lequel, finalement, on est hostile à l'État, ça c'est commun aux deux branches, mais on est aussi hostile au marché. Hein, au marché au sens économique du terme. Donc il y a quelque chose entre le marché et l'État, qui est cette sorte de société civile du partage et de la communauté, ou bien effectivement c'est plutôt le marché qui va tout aspirer. D'où l'enjeu effectivement important aujourd'hui de la neutralité du net, qui concerne aussi bien le marché que l'État, hein, c'est-à-dire la captation marchande que l'État, qui est de préserver la possibilité que sur Internet, toutes les coordinations ou toutes les coopérations soient possibles pour quiconque, et pas pour certains qui auraient payé plus ou qui auraient des droits plus importants que d'autres sur le réseau, ou bien de l'autre côté, ce qui est aussi un enjeu de la neutralité d'Internet, vu dans une manière un peu extensive, l'idée que les États puissent penser que certains messages n'ont pas le droit de citer sur Internet, alors que d'autres auraient plus d'importance que d'autres, et de faire revenir une forme de censure dans les tuyaux du réseau des réseaux.
Laurent Chemla, qui est un des pionniers un peu à la fois historique, concret d'Internet en France et des débats sur Internet, dans les billets de blog qu'il tient sur Mediapart, défend, au-delà de ce débat lancé par le rapport du Conseil national du numérique sur la neutralité du net, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai librement accès et on ne va pas m'empêcher, on ne va pas me censurer, on ne va pas... Il défend l'idée de se saisir de ça pour aller bien au-delà quand il dit une loi fondamentale, c'est-à-dire au fond, cette idée que la liberté d'expression est encore pauvrement défendue en France. Et à la fois le droit de savoir, le droit d'accès, le droit à l'open data, le droit aux documents, à la transparence, mais y compris la protection. Il dit, au fond, quelqu'un se fait censurer, il n'a pas d'arme de loi pour protester contre le FAI, le fournisseur d'accès, qui l'a censuré. Donc, cette idée de rassembler tous ces enjeux dans un grand débat démocratique, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je serais très partant, en même temps très conscient des difficultés qu'on aurait en France et en Europe à pousser très loin ce débat, parce que là on sent bien l'influence américaine d'Internet, c'est vraiment l'influence du premier amendement de la Constitution américaine. On ne doit pas censurer les idées, on doit lutter avec d'autres idées contre les idées qui nous déplaisent. On ne fait pas de loi contre la liberté d'expression. Alors on sait qu'en Europe on a des réflexes qui sont très différents, qui sont liés à l'histoire de l'Europe et de la Seconde Guerre mondiale, et que ce point peut entrer en butée, on l'a vu avec de récentes affaires sur Twitter, avec des réflexes qui sont là très partagés à droite comme à gauche dans nos sociétés. Moi, je serais évidemment, avec Laurent Chemla, favorable à une position maximaliste et radicale sur cette question de la liberté d'expression, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait acclimatée à nos débats publics. Il n'y a pas de fatalité, on peut faire bouger les lignes. Fatalité. Mais alors, il faudrait faire bouger de tous les côtés du spectre politique, parce que là, les tenants d'une position... autoritaire, verticale... Oui, c'est une position qui a en même temps beaucoup de justifications. Donc moi, on peut l'entendre. Moi, je pense qu'elle est inopérante. On peut l'entendre? Notamment sur le racisme et sur l'antisémitisme, elle s'indigne de propos dont il faudrait débarrasser l'espace public. Moi, je crois qu'en fait, ce qui se passe avec Internet, et c'est ça qu'il faut arriver à saisir, c'est que, d'abord, tout doit se dire et s'exprimer, mais qu'ensuite, et c'est là qu'il faut... Mais alors, ça demande une confiance optimiste dans l'Internet. Il y a une sorte d'intelligence collective qui fait qu'il y a des propos qu'on voit, puis des propos qu'on ne voit pas sur Internet. Il y a ceux qui restent au fond, et ceux qui restent dans les caves de l'Internet, qui est effectivement dans lequel on peut entendre tout et n'importe quoi, les thèses, les propos les plus idiots, conspirationnistes, racistes et imbéciles. Et puis, il y a ceux qu'on voit dans nos navigations. Nous ne naviguons que 90% de nos navigations se font sur 0,06% des contenus d'Internet. On navigue tout en haut d'une pointe qui a été en fait... Chacun individuellement, nous ne consultons que 0,06% des contenus de l'Internet. Le reste n'est pas vu, pas lu, ou très peu vu, très peu lu. Sauf quand des médias importants se saisissent de propos antisémites qui traînent dans les bas-fonds du web et les font monter. Alors immédiatement, on les voit. Mais ça, c'est leur perversité. C'est pour disqualifier Internet. C'est une boucle dans laquelle je pense que les ennemis de la censure, les ennemis moraux de la censure, en fait, jouent avec les propos racistes et antisémites un jeu qui saute. Parce que si on prend l'image du café du commerce, il y avait toujours quelqu'un qui disait des bêtises au bout du comptoir. Là. On lui disait, bon, allez, bois ton demi et continue. C'est-à-dire que, bon, ça a toujours existé. On ne le foutait pas dehors pour autant. S'il n'insultait pas, s'il ne commençait pas à faire de la violence. C'est-à-dire qu'il y a aussi un droit à la bêtise. Oui, et qui est lié, là, sociologiquement, on peut dire, c'est lié à la transformation structurelle de nos espaces publics. Notre espace public, et du coup aux catégories de perception que nous utilisons. Nous utilisons toujours les catégories de perception de la radio, de la presse et de la télévision. Du filtre. Oui, il y a le filtre, mais du coup, ce qui est rendu public par les journalistes est important. Ça concerne toute la société. Dans l'espace public qui n'est plus filtré préalablement par les journalistes, on a fait entrer la conversation du café, du commerce, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont effectivement publiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont importantes. Et ça veut dire qu'elles peuvent être présentes ou accessibles éventuellement sur le réseau sans être dans les zones de haute visibilité du réseau et sans qu'immédiatement elles nous blessent ou nous injurient, parce qu'on peut aussi considérer que c'est pas important et que ça s'est dit comme ça dans une conversation. Comme l'est nos conversations de sociabilité, où on entend un peu tout et n'importe quoi, les choses les plus belles et les choses les plus idiotes dans nos vies ordinaires. Si je reprends, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, elle est en toute petite, la dernière page du Whole Earth Catalogue,
qui est une route qui montre hein, qu'on peut inventer l'avenir, une route de Californie, et au-dessus, c'est « Stay hungry, stay foolish ah, ». Ayez oui. faim, soyez fous. Oui. Alors, si on pouvait conclure, nous, ce qu'on dit, c'est que dans cette bataille, ayez faim de démocratie et soyez fous pour inventer la démocratie. Très bien. D'accord ? Absolument. D'accord. Alors, voilà, vous avez rendez-vous d'ici 10 minutes avec le deuxième débat, « Mariage pour tous », comment la gauche a porté cette réforme, bien, assez bien, moins bien, comment la droite l'a combattue, très mal, selon nous, en s'alliant un peu avec une droite extrême. Et puis, ces deux livres, en attendant, « La démocratie Internet », Dominique Cardon, et « Aux sources de l'utopie numérique », ça se lit comme un roman, avec une excellente préface de Dominique Cardon. Merci. Merci.
peut m'appeler. Merci.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce décor que vous connaissez. Donc c'est la rédaction de Mediapart. Avant le grand débat tout à l'heure, ça sera à 20h30. Edoui Plenel et d'autres journalistes de Mediapart me rejoindront pour le grand débat avec Jean-Luc Mélenchon et avec Pascal Durand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Grand débat que nous avons titré « Pour une sixième République ?» point d'interrogation avant la grande manifestation prévue dimanche prochain. D'abord un mot, Mediapart jusqu'à minuit, un abonnement gratuit ou presque, non j'exagère, 25€ pour 4 mois et voilà, l'offre est exceptionnelle et elle court jusqu'à minuit. Retour sur les enquêtes de Mediapart, retour sur le mariage pour tous et les réactions, les manifestations, on a l'impression d'une forme d'ébranlement ou alors on redécouvre une société française qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus ou on avait oublié qu'elle existait. Donc on va revenir sur le mariage pour tous avec trois journalistes de la rédaction de Mediapart qui l'ont particulièrement suivi d'un point de vue législatif, ce qui s'est passé au Parlement, et puis justement du point de vue de la rue, les pour, les anti et les manifestations. Marine Turki, donc, qui est avec nous, Mathieu Magnodex, Jérôme Mourdeau, qui est un petit nouveau, c'est son premier live, et puis une blogueuse qui est aussi dessinatrice et qui est membre d'un collectif qui lui s'appelle Oui, 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 donc ça paraît assez clair. Voilà, vous signez La Petite Blanc, vos dessins, et vous les publiez, non, pardon ? Ouais, si, on signe La Petite Blanc, mais c'est un duo en fait, et moi je ne dessine pas, j'écris. Ah, vous écrivez les dialogues aussi. Eh ben, voilà. Et qui fait les dessins ? Un garçon, un ami, Gaël Klein, que je salue ici. Qui lui s'occupe du graphisme. Voilà, qui fait les dessins, Galou, qui dessine une petite lesbienne, La Petite Blanc, à longueur de temps, et malheureusement, il est souvent invisibilisé. Mais je les raconterai, moi, vos répliques tout à l'heure. Mathieu Magnodex, quand vous êtes mis à suivre le mariage pour tous, on en parlait entre nous, il y a presque eu un étonnement, voire une critique, de la part de lecteurs, d'abonnés de Mediapart, qui disaient en gros, pourquoi tant de place, pourquoi tant de temps consacré à cette réforme sociétale qui, bien sûr, est importante, mais c'était un peu la thèse du rideau de fumée, c'est-à-dire, ou de l'écran de fumée. Pourquoi vous vous occupez autant de ça, alors que la politique sociale, la politique économique, le déficit démocratique de certaines réformes institutionnelles, quel a été, au sein de Mediapart, dans la rédaction, comment a été prise la décision de mettre le paquet, si je puis dire, sur cette réforme, sur le mariage pour tous ? D'abord, si elle a été prise, c'est aussi parce qu'on continue à faire le reste dont vous parlez, la crise démocratique, la situation politique et la situation économique et sociale, qui sont des choses qu'on suit depuis le début ici. Et les enquêtes, évidemment, etc. Donc tout ça, on a continué à le faire pendant toute cette période. Mais en fait, ce qu'on s'est dit assez simplement, c'est que avec cette réforme du mariage pour tous, se posait là un enjeu relativement simple, qui était la question de l'égalité des droits. Et en fait, assez vite, on a convenu qu'on allait porter aussi cette idée de l'égalité des droits. Ça nous semblait complètement dans l'ADN de Mediapart, etc. Donc on a évidemment eu des discussions à l'intérieur de la rédaction. Et l'idée a été effectivement que c'était pour nous important de nous engager journalistiquement dans le suivi de cette réforme. Donc, ce qui impliquait évidemment de suivre la réalité des familles homoparentales. C'est peut-être l'aspect qu'on a le moins suivi parce que c'est vrai que ça prend du temps à faire, etc. Et donc, du coup, on a fait le live de la dernière fois. On avait fait un live avec quand même plusieurs familles homoparentales qui nous avaient raconté la difficulté, leur invisibilité, leur inexistence aux yeux de la loi. Peut-être qu'on aurait pu le faire plus. En tout cas, bon, voilà. Mais on a aussi beaucoup traité l'aspect politique, on a suivi les débats au Parlement, les débats à l'intérieur de la majorité, et puis évidemment, la surprise de ce débat, enfin la surprise, en tout cas la redécouverte, comme vous le dites, c'est-à-dire cette espèce de France comme ça, catholique d'abord, par les réseaux catholiques très militants, et puis qui s'est manifestée contre ce mariage, et puis ensuite ce que ce mouvement est devenu, c'est-à-dire une espèce de débordement comme ça, avec des choses finalement qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Alors on peut peut-être commencer par traiter du point de vue de l'exécutif. Est-ce que l'intérêt aussi journalistique, c'était, comment on peut appeler ça, timidité, frilosité, on avait l'impression que l'exécutif lui-même
porter le projet de loi avec un singulier manque d'enthousiasme. On se souvient même d'une déclaration de François Hollande devant le Congrès des maires de France, où il a eu l'air de dire, avant de se rétracter deux jours plus tard, que naturellement la liberté de conscience des maires serait respectée. Donc en clair, on allait voter une loi qui pourrait ne pas être appliquée par un officier de la loi, si bon lui semblait, puisque la liberté de conscience semblait supérieure à la loi elle-même. Est-ce que ça aussi, c'était d'un point de vue journalistique, quelque chose d'à la fois étonnant et puis aussi peut-être un peu décevant? Toute cette séquence, en fait, elle est finalement assez conforme à ce qu'est le pouvoir de François Hollande. C'est aussi pour ça que c'était intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a eu des débats à partir de l'été, en fait, dans la rédaction. En gros, voilà, ici, on n'avait pas forcément, nous, dans, tel qu'on était organisé, on n'est pas beaucoup de journalistes, on n'a pas beaucoup un journaliste prêt comme ça à s'occuper du mariage pour tous. Il fallait se mettre dans une configuration particulière. Et pourtant, on se disait quand même, bon, bah, y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait dès l'été des débats sur le périmètre exact de la loi, et on y reviendra tout à l'heure. Mmh. Est-ce que c'est juste le mariage à l'adoption? Est-ce que c'est d'autres choses en plus? Ce débat, il a commencé dès l'été. Et puis, ça, très vite, ça a pris comme ça, et on a vu que la loi telle qu'elle était présentée au mois d'octobre était une loi, en effet, à minima, alors même que François Hollande s'était engagé, certes, sur le mariage, sur l'adoption, mais aussi sur d'autres choses, notamment l'accès à la procréation médicalement assistée pour les femmes. Et du coup, en fait, c'est assez intéressant de voir comment cette histoire est finalement typique de ce qu'est le pouvoir de François Hollande, c'est-à-dire que François Hollande n'est pas quelqu'un de bloqué ou de conservateur sur ces questions-là, c'est juste quelque chose qui ne l'intéresse pas particulièrement. Voilà. C'est quelqu'un qui considère que la politique des corps, les corps, les relations humaines, ça n'a pas à vraiment être géré par la loi. Et simplement, le problème, c'est qu'il y a, derrière, il y avait un parti qui, quand même, s'est engagé depuis plusieurs années, à la fois pour le mariage, pour l'adoption, mais aussi pour la PMA, et que lui-même, pendant la campagne présidentielle, en avait parlé, certes un peu du bout des doigts, mais il en avait parlé. Et en fait, tout ce qu'on a vu, c'est que toute la conduite de cette réforme, finalement, nous, en fait, en gros, on arrive à une réforme un petit peu... Je dirais pas à l'arracher, parce que c'est vrai que c'était quand même dans le programme de François Hollande. Mais ça a mis beaucoup de temps, et François Hollande, en effet, a été assez sensible, parce que je pense qu'il n'a pas de connaissance comme ça très précise de ces sujets, a été sensible, finalement, à toute une partie de la France qui considérait que ce n'était pas une urgence, autant à gauche qu'à droite, d'ailleurs. Mmh. Mais d'ailleurs, il se retrouve presque dans une situation un peu paradoxale, parce que malgré tout ce que vous dites, Mathieu, on a l'impression que cette loi-là, malgré tout, il l'a faite passer, il l'a portée, et que d'une certaine façon, même si le périmètre, en particulier sur la PMA, est finalement décevant, il a tenu parole, il a tenu une promesse électorale. Mmh. Et donc finalement, il se retrouve crédité d'avoir tenu bon, pour le dire simplement, sur quelque chose qui n'était pas forcément essentiel pour lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on voit bien que tout cela est arrivé, comment dire, ça a été, pour lui... En effet, finalement, à la fin, on a l'image d'un président qui, comme ça, a finalement, tant bien que mal, malgré la dégradation de la situation économique et sociale, malgré tout ce qu'on sait, malgré une impopularité grandissante, il y a aussi quand même la réalité que c'est quelque chose, beaucoup dans son camp disent qu'il aurait pu le faire tout de suite, comme quand la gauche revient au pouvoir, il aurait pu le faire tout de suite. Et beaucoup disent aussi qu'il a été trop sensible à des arguments, finalement, en gros, qu'il a essayé de parler à la droite plutôt qu'à son camp pour faire très très vite. Mmh. Donc c'est quand même aussi, ça a aussi fait naître beaucoup de rancœur dans son propre camp, et aussi ce que lui reproche quand même un certain nombre de gens dans son camp, mais aussi des militants, c'est aussi que finalement la longueur de ce débat a finalement fait que se sont libérés un certain nombre de paroles et d'actes homophobes qu'on n'avait pas vu quand même depuis, dans cette intensité, dans cette violence, depuis quand même assez longtemps en France. Ben, on pensait même, peut-être à tort et de façon un peu optimiste ou angélique, qu'on n'entendrait plus et qu'on n'assisterait plus à de telles paroles ou à de tels actes. Avant de donner la parole à Marine Turki, justement, sur la cristallisation, la montée des anti-mariage pour tous, vous vouliez intervenir? Ah bah oui, moi je boude dès qu'on parle de Hollande gentiment. Mais non, je pense qu'Hollande, il a réussi à rater ce qui sera peut-être sa seule réussite, en fait. Donc, puisqu'on sait qu'économiquement, ils font une politique de droite, donc là-dessus, on n'attend rien, ça, on savait qu'il serait décevant. Mais il a réussi à nous décevoir, même sur cette réforme qui était majeure. On aurait pu s'en rappeler comme étant, tiens, tu te rappelles, Hollande, il a fait ça, mais jamais on dira ça. On dira, Taubira, elle a fait ça. On dira, Hollande, allez, on a évité le pire, au moins, il a laissé faire Taubira. Mais c'était absolument décevant. La position du PS, de Hollande et du gouvernement
moins du PS, mais en tout cas du gouvernement, pendant tout ce débat. En preuve en est en plus qu'ils n'ont absolument rien compris, puisque quand on écoute Hérault à la sortie du débat sur la PMA, on se rend compte que, alors qu'il y a eu, et Mathieu vient de le dire, une montée de l'homophobie, qu'on est revenu au temps de Longuet et Madeleine Augude et que c'est la belle époque des jeunesses nationalistes, on voit qu'ils n'ont toujours pas compris, qu'ils disent « tiens, il faut de l'apaisement », et pour eux, l'apaisement, c'est quoi? C'est de dire aux homophobes « non, mais ok, c'est bon, d'accord, on va arrêter d'en parler ». Donc il y a quand même des choses qui devraient être extrêmement claires aujourd'hui, c'est que si vous avez été manifesté dans la rue contre l'égalité des droits, à moins d'avoir été forcé par vos parents d'y aller, c'est que vous êtes homophobe, et à un moment, il faudrait que ça rentre dans les cerveaux. La deuxième chose, c'est que la PMA, voilà, pour le PS, c'est comme le courage, c'est comme la volonté, c'est pas à l'ordre du jour du PS, c'est pas à l'ordre du jour du gouvernement, en tout cas, et c'est dommage, et c'est vraiment dommage d'avoir raté un moment qui aurait pu être quand même un petit peu plus positif. Mais alors, avant Marine, encore un mot, puisque dans vos derniers dessins dans Mediapart, c'était le 23 avril, vous titrez « Victoire, point d'interrogation, beauf », et on voit deux amis au milieu d'un tas de gravats qui disent qu'ils se disent « on a enfin gagné le droit de se marier », et l'autre lui répond « oui, mais on a aussi beaucoup perdu, si je compte bien, ça nous aura coûté très cher ». Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vous aura coûté si cher? On le met dans la suite du dessin. Ça nous aura coûté que nous, dès le début, quand je dis nous, c'est les personnes un peu militantes, on a saisi tout de suite que ça allait être violent, qu'il allait avoir... Hollande, il a dit, il y a un an, je crois, il a dit « je vais réenchanter la jeunesse française ». Moi, à l'époque, je n'avais pas compris qu'il allait réenchanter la jeunesse nationaliste française. Donc là, maintenant, c'est clair. Il a réenchanté ces gens-là, ça, c'est sûr. Mais ça, on l'a senti venir très tôt. Et le gouvernement, et dans les milieux LGBT, nos représentants quelque part, on dit non, mais tout va bien, c'est bon, on ne s'inquiète pas. Et nous, on a su que ça allait nous coûter cher, et au final, on a ça, on a vécu une violence quasi quotidienne, on a vécu de l'homophobie de la part de gens qui, de toute façon, sont homophobes. Bon, cela, il n'y avait pas grand-chose à en attendre. Mais il y a eu une réactivation. Il y a eu une réactivation, clairement, de ça, et qui... aujourd'hui, ces groupuscules nationalistes qui se sont réactivés vont sûrement demain s'en prendre à d'autres cibles que les homosexuels. Donc ce sera effectivement les Roms, les musulmans. Enfin, ils vont repartir sur des cibles qu'ils ont d'habitude et d'ailleurs qu'ils avaient avant ce débat-là. Donc il y a ça, c'est extrêmement dangereux. Mais ça a eu aussi comme effet pour nous, lesbiennes, gays, bi, trans, de voir ressurgir de l'homophobie de nos proches, de nos voisins, de nos collègues. Enfin, ça a été tous les jours... tous les jours, tout le monde qui s'exprimait là-dessus. Moi, quand on m'a proposé de venir parler ce soir, au début, je me suis dit, mais je ne suis pas très légitime, je ne suis pas experte. Et après, je me suis dit, bon, finalement, sur Inter, on donne la parole à Marcel Ruffaut ou sur Culture, à Brice Couturier. Après tout, on peut parler de tout et n'importe quoi sans être expert a priori. Et en plus, ça peut intéresser des gens, donc super. Okay. Mais sans être expert, en tout cas, on peut, moi, témoigner de ça. Ça a été extrêmement violent pour nous que tous les jours, on entende des gens, et que ça choque personne, nous dire qu'on n'est pas des gens comme les autres, qu'on n'a donc pas exactement droit aux mêmes droits que les autres, et de la part d'élus de la République, de la part de représentants de la République, de la part d'élus dans le cadre même de l'Assemblée nationale, entendre des propos comme ça, c'est extrêmement humiliant et violent pour nous. Et en plus, aucun de ces propos n'a été condamné, ou alors vraiment du bout des lèvres, et parce qu'il y a des conseillers homo qui ont dû leur dire « non mais là, il faut dire quelque chose peut-être quand même ». Mais ça a été très peu condamné. Donc nous, pendant 6 mois, ça a été juste en prendre plein la figure, constamment, sans qu'il y ait grand monde pour nous défendre, à part, effectivement, quelques journalistes qui ont fait bien leur boulot, et effectivement, Mediapart est dans l'eau, mais il y en a eu peu, et il y a eu quelques personnalités qui se sont un peu mouillées, mais très très peu. Donc on s'est senti seul et violenté pendant des mois. Alors Marine Turki, un mot là-dessus, parce que... Vous les avez suivis, les manifestations anti-mariage pour tous, de près, justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? C'est-à-dire, est-ce que l'homophobie, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que, une résurgence homophobe est, selon vous, la première motivation globale ou collective de la cristallisation du mouvement anti-mariage pour tous? En tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que ça a redonné une tribune, y compris médiatique, à des groupes
qui étaient beaucoup moins médiatisés, qu'on entendait moins, même si en souterrain, ils étaient encore très, très, très vivants. On parle du renouveau français, des jeunesses nationalistes, du bloc identitaire, des groupuscules comme ça d'extrême droite. Ils vont profiter de ce genre de mouvement à chaque fois pour réactiver, refaire le plein de militants, se galvaniser, etc. Donc ça, on l'a vu dès le mois de novembre, hein, puisque la première manifestation nationale des anti-mariage pour tous, elle a lieu au mois de novembre. Et d'ailleurs, elle prend un petit peu de court le gouvernement qui, quelque part, a un petit peu sous-estimé cette mobilisation-là. Mmh. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que la mobilisation, d'une certaine façon, prennent tout de suite et autant dès la première manifestation, en tout de cas, grande je pense manifestation. Ils ont de été surpris par la manière dont ça a été structuré, avec une porte-voix qui est très différente de Christine Boutin, qui est celle qui portait un petit peu le combat contre le PACS. Là, c'était Frigide Barjot qui était très médiatique, et donc ça a un petit peu aussi aidé médiatiquement à obtenir, comme on le disait, beaucoup plus de médiatisation, parfois de la médiatisation complaisante. Mais en tout cas, effectivement, dès novembre, le gouvernement est un petit peu pris de court par rapport à l'ampleur de cette mobilisation. Évidemment, c'est plus facile de mobiliser contre un projet de loi que pour un projet de loi. Donc ça explique aussi que derrière, la mise en route d'une réplique a été un petit peu plus compliquée et difficile. On reviendra un petit peu après sur peut-être les associations et la manière de mobiliser, mais... En tout cas, les Antilles ont été très vite assez organisées. Et ce qui les a aussi aidés, c'est ces mobilisations partout en province. C'est-à-dire qu'ils se sont beaucoup mobilisés dans des villes de province. Et donc, voilà, toutes les semaines, il y a eu des actions. Quelque part, ça a eu un impact, ça. Et on le voit bien dans l'évolution un petit peu de l'opinion sur le projet de loi. Pendant plusieurs mois, le débat a été parfois remporté par la droite qui a fait beaucoup de raccourcis. Parce que bon, nous, on a suivi effectivement les débats au Parlement. On voit bien que tout de suite, la droite, elle attaque sur « oui, mais demain, PMA, GPA, gestation pour autrui ». Voilà, tout ça, on l'avait un petit peu décrypté. Les mariages collectifs, enfin, on a entendu des choses, ils voudront se marier à plusieurs. C'est-à-dire qu'on a laissé quand même la droite et puis une partie du centre là-dessus, et puis l'extrême droite, prendre la parole là-dessus en disant « et demain, c'est la gestation pour autrui ». Or, la gestation pour autrui n'était pas dans le texte, elle n'était pas en débat là pendant plusieurs centaines d'heures au Parlement. Donc, quelque part, le mois de novembre, c'est un petit peu le début de cette grande mobilisation qui va durer jusqu'au mois de mars, où finalement, le gouvernement pense que voilà, cette mobilisation du 24 mars, ça va rien donner. Le 24 mars, il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi des débordements, c'est-à-dire qu'une grande partie des manifestants veut aller à l'Élysée, sur les Champs-Élysées, et il y a les incidents qu'on a vus, c'est-à-dire des groupuscules d'extrême droite et nationalistes qui forcent les barrages, mais aussi plein de familles. Convoyez-moi au mois de novembre, parce que moi, il me semble que, même avec une certaine condescendance d'ailleurs, au mois de novembre, j'entendais les commentaires, on parlait de procession, il y avait des évêques, enfin, on avait l'impression qu'on rejouait 84. Voilà, qu'on rejouait les manifs pour l'école dite libre. C'est ce qu'ont dit les manifestants dès le mois de novembre. Ouais. Nous, on était en manif, ils nous disent, on rejoue 84, on veut faire tomber le gouvernement, etc., ils vont reculer. Donc, ils sont déjà dans cette optique. Mais il y a une grande différence, c'est qu'au mois de novembre, il y a deux cortèges dans les opposants. Il y a le cortège de la manif pour tous de Frigide Barjot, où on retrouve des élus de l'UMP, certains du Front National. Ça, c'est une parenthèse qui est importante, parce que là, on dit que les élus UMP et FN ont manifesté ensemble la semaine dernière. En réalité, dès novembre, il y a Jacques Bompard d'extrême droite, il y a Bruno Gollnisch un peu plus en retrait, mais qui est là quand même, avec ceux de l'UMP. Donc ça, c'était déjà le cas. Mais bon, ça, c'est le cortège de la Manif pour tous. Mais à côté, il y a le cortège de Civitas, donc une organisation catholique intégriste, et puis un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui sont ceux qui se réunissent d'ailleurs tous les ans le 9 mai à Paris dans le grand rendez-vous de l'extrême droite radicale. Ceux-là sont dans... séparés. Voilà, ceux-là sont dans deux cortèges séparés. C'est encore le cas en janvier. Mais à partir du 24 mars, la fameuse manifestation qui dégénère, là, il n'y a qu'un cortège. Donc on savait très bien ce qui allait se passer ce jour-là. Donc ceux qui font les étonner en disant débordement, on ne comprend pas, la manif pour tous, savait très bien, à partir du moment où il n'y a qu'un cortège, il y a débordement, parce que tous ces groupuscules, ils sont dans le cortège où il y a plein de familles qui défilent contre le mariage pour tous. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ces débordements, ils étaient quand même déjà écrits, et qu'aujourd'hui, le mouvement est étendu, et que ces groupuscules espèrent transformer ça en une opposition plus large, bien au-delà du mariage pour tous. Mais quand on vous écoute, on se dit que
c'est aussi la résurgence, quelque chose qu'on avait un peu oublié, c'est un véritable imaginaire de droite, avec des manifestations de droite. Alors il y a 1984 et l'affaire de l'école libre, enfin quand même le pouvoir de François Mitterrand à ce moment-là avait vacillé. D'ailleurs il avait fini par se dépêcher d'enterrer l'affaire en inventant un référendum sur un référendum pour ne surtout plus en parler. Et on n'en a quasiment plus parlé depuis, d'ailleurs. C'est-à-dire que les choses sont à peu près restées en l'état jusqu'à ce que François Bayrou essaye de réformer la loi Fallou. Donc il y a 84, et puis on a l'impression que les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, c'est aussi le 30 mai 68. Enfin, qu'il rejoue quelque chose auquel on ne pouvait pas forcément s'attendre, parce que la gauche a toujours tendance à penser qu'elle est la maîtresse de la rue et que c'est son imaginaire à elle. Tandis que là, tout d'un coup, il y a des gens, ils rejouent quelque chose qu'ils connaissent. Oui, ils disent eux-mêmes, on fait notre mai 68 de droite, ça on l'a entendu. Ils parlent de 84, ils parlent d'un mai 68 de droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette... impossibilité d'accepter pour la droite la légitimité d'un pouvoir de gauche, et c'était déjà le cas en 80, il y avait eu un petit peu la même chose. Et là, effectivement, l'idée que la police, la justice peuvent être que finalement que de droite. Donc ça a été, on l'a analysé beaucoup sur Mediapart avec notamment des chercheurs, mais ça c'est une idée qui est assez clé dans ce mouvement. Après, c'est pas toute la droite non plus qui est dans ce mouvement. C'est une espèce de mouvement qui se crée entre une partie de la droite gaulliste jusqu'à l'extrême droite avec des identitaires, avec les villiéristes, voilà. Donc c'est un mouvement qui est entre l'UMP et puis l'extrême droite, le Front National. Mais il y a quand même, ça il faut le dire, des UMP qui d'ailleurs ne veulent pas manifester à la prochaine manifestation le 26 mai, des opposants au mariage pour tous qui manifestent à nouveau et qui veulent grande mobilisation nationale. Il y a des UMP qui disent, y compris François Fillon aujourd'hui, que non, ils ne veulent pas continuer alors que le texte a été voté, aller dans la rue, et puis ils ont bien conscience que cette radicalisation de ce mouvement, bah, ils veulent finalement pas trop être assimilés à ça. Donc il y a plusieurs quand même parlementaires de droite qui sont pas là-dedans. Et on voit aujourd'hui Il y en a même une petite dizaine qui se sont abstenus au moment du vote de la loi. Oui, alors oui, moins que ça, il y en a cinq à l'Assemblée nationale et puis deux qui ont voté pour. Mais au-delà de ça, il y en a beaucoup qui ont voté contre le projet de loi, mais qui, pour autant, se reconnaissent pas forcément dans le mouvement qui est en train de se radicaliser de semaine en semaine et sur lequel les groupuscules d'extrême droite commencent quand même à avoir... à prendre vraiment la dominante. On l'a vu dans les dernières manifestations, puisque donc à chaque manifestation des anti le soir à l'Assemblée nationale, ça dégénérait, c'est-à-dire toujours la même chose, dispersion de la manifestation, des groupuscules d'extrême droite qui arrivent, une centaine, 200, ils foutent le bazar, et derrière, finalement, il y a 100, 200 manifestants de la Manif pour tous qui rejoignent et qui se mettent dans ce bazar. Ce bazar, il peut être violent, avec des gens cagoulés, là, des gens avec des barres de fer. Vous dites ce bazar, vous les avez vus de près, vous avez parlé avec eux, vous avez été parfois prise à partie par certains d'entre eux. Qui sont-ils ? Parce que alors ça, la nébuleuse des groupuscules d'extrême droite, ça aussi, on avait tendance à penser, sauf des spécialistes comme vous, que c'était plus ou moins en sommeil. Et tout d'un coup, on voit des choses resurgir très étonnantes. Alors, des mouvements relativement contemporains, comme le GUD, par exemple, ça on va en parler avec Jérôme Mourdeau tout à l'heure, mais aussi tout d'un coup on voit un drapeau des Rose-Croix. Enfin, je pense que plus personne ne sait ce que c'est. On a l'impression quand même d'une très vieille France, un peu pétainiste, un peu maréchaliste, plus qu'un peu, et qui ressurgit tout d'un coup. Et en plus, ça a été augmenté par toute une analyse journalistique où on a commencé à dire les années 30, février 34, etc., etc. C'est-à-dire des choses auxquelles on n'était absolument pas habitué. Alors c'est un peu la difficulté qu'ont eu les journalistes dans ces manifs, c'est que concrètement, quand ce genre d'incident éclate, on ne voit pas forcément qui est à l'origine de l'incident. Ça se passe très vite, dispersion de la manifestation, et en général, des types arrivent, ils mettent leurs écharpes ou des masques ou des cagoules. Donc c'est un petit peu difficile de dire à ce moment-là c'est tel ou tel groupuscule. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas les drapeaux traditionnels de la Manif pour tous. Ils prennent, il y a le drapeau vendéen, il y a le drapeau pirate tête de mort, voilà, ils ont des masques, donc c'est difficile de dire. Il y en a beaucoup qui ont des drapeaux français et qui vont commencer à forcer le barrage. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, d'autres manifestants de la Manif pour tous sont entraînés là-dedans, et souvent des jeunes. Il y a eu l'un des soirs où notamment 200 jeunes complètement surexcités de la Manif pour tous ont commencé à hurler au lendemain d'émission, à crier CRS, SS, et puis à balancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Donc des gens
pour le coup, qu'on ne voit pas traditionnellement dans les manifestations ou avoir ce type de comportement-là. Donc il y a un entraînement collectif, sans qu'on sache forcément au bout d'un moment qui sont les meneurs. D'autant que ces groupuscules, ils sont pas 15 en noyau ensemble, ils sont plutôt dispersés. Et une fois qu'ils ont fait tout ça et que la manif est partie, ils peuvent tranquillement s'en aller en enlevant l'écharpe sans forcément avoir été interpellés. Parce qu'une fois que c'est lancé, il y a 200 personnes qui rebondissent derrière. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que sur les pelouses des Invalides, où ont lieu tous ces manifs, tous ces incidents, il y avait aussi des veilleurs qui ont voulu mettre en avant, qui faisaient partie de la manif pour tous, mais qui ont voulu mettre en avant le fait qu'ils menaient une action non violente. Donc c'était assez saisissant comme contraste, parce qu'il y avait des gros incidents, et à côté, ils étaient tous avec leurs bougies sur les pelouses, en train de dire des textes. Mais en tout cas, on a pu voir, et ça c'est factuel, des anciens du GUD dans ces manifs, puisque l'un d'eux a été interpellé. Il se trouve que c'est un ami de Marine Le Pen, puisqu'il est il a la tête de Vendôme Sécurité, qui est une société prestataire du Front National. Donc c'est un ancien du GUD. Il a été interpellé le 23 avril dernier, et il apparaît sur plusieurs images durant les débordements des manifs, en train de les encourager. Donc là, on peut dire qu'il y avait effectivement des anciens du GUD. Mathieu, à l'intérieur de l'hémicycle, est-ce qu'il y a une sorte de corrélation comme ça, ou même un peu de course à l'échalote, où on a l'impression que l'échauffouré à l'extérieur, il doit y avoir une réponse à l'intérieur, parce qu'on a entendu des choses incroyables. Ouais. Quand Brigitte Bardot dit « si Monsieur Hollande veut du sang, il en aura », bon, on sent bien qu'elle-même, elle se rend compte qu'elle a pété les plombs, elle revient sur ses propos 24 heures plus tard. Mais à l'Assemblée, quand on entend ce député du Rhône, dont vous allez me rappeler le nom, UMP, qui dit « messieurs, vous assassinez les enfants », là aussi, il va revenir sur ce qu'il a dit quelques heures plus tard. Mais enfin, on entend des choses ahurissantes. En fait, c'est ça qui était frappant, et notamment à la fin du processus, quand on était à l'Assemblée là, cette nuit-là où ça s'est voté. On est resté toute la nuit, c'était une expérience parce qu'on n'oubliera pas. Il y avait vraiment correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, on voyait bien comment... D'abord, c'était certains députés UMP qui étaient là hein, pour ce débat-là, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les députés, on va dire, les plus modérés. C'est-à-dire que ce qui est très curieux, c'est que l'UMP avait laissé monter au créneau, en fait, finalement, les plus radicaux. Hein. Donc ça, c'est notable, il faut le noter. Et ce fameux cocher dont vous parlez, c'est le cas. Bon, il y en a d'autres. Un autre qui s'appelle Nicolas Duic, qui est psychiatre de profession. Il y a des choses pour un psychiatre. Moi, je n'ai pas envie qu'un jour, mes enfants aillent le voir. Enfin, je veux dire, pédopsychiatre, hein, soi-disant. Bon, voilà, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire, il dit des choses délirantes. Bon. On n'est même plus dans le cadre de la raison ou de choses sensées. Ce sont des choses absolument délirantes. Et lors de la dernière nuit du vote, ils ont quand même interrompu. Et ils ont continué, ils ont interrompu. La retransmission télévisée, parce qu'ils ont failli se battre. Et alors voilà, c'est ça. Et donc on a eu cet incident où à un moment, en effet, on a parce qu'un commissaire du gouvernement, donc ici, qui est assis derrière Christiane Taubira, fait un petit geste pour montrer qu'il n'est pas d'accord. Il lui-même est plutôt marqué à droite, il a été placé par le précédent pouvoir. Et il fait un petit geste. Et du coup, la droite, cette droite-là, complètement galvanisée, finalement, qui arrive au bout de... Ça, ce sont toujours les mêmes qui ont porté ça depuis des mois, etc., qui elles-mêmes, ils se sont épuisés là-dedans. Bon, voilà. Ils fondent sur lui et on a un incident de séance du jamais vu depuis très longtemps dans l'Assemblée nationale, où on a une véritable mêlée de députés UMP poussant un mur d'huissier, avec au passage une huissière qui se prend un lion dans la tête, avec le ministre des Relations avec le Parlement, qui est landé, etc., et qui appuie les huissiers. Enfin, c'est pour vous dire, quand même, c'était vraiment un affrontement avec physique. Avec des députés UMP qui crient, c'est pas le lobby LGBT qui va nous gouverner, fasciste, appeler la police... Donc une séance. Et pendant ce temps-là, il y a des incidents voilà. À l'extérieur de l'Assemblée, devant le Palais Bourbon. Et c'est le même soir où le fameux député Le Fur, qui est aussi vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs, qui a aussi participé à cet incident, qui s'est fait d'ailleurs sanctionner pour ça, décalote dehors un gendarme, enfin comme ça, une espèce de violence comme ça, il prend le calot d'un gendarme et l'enlève devant les caméras. Donc on a vraiment passé un cap, oui, ça c'est sûr qu'on a passé un cap. Ouais. Mais... Non, et cette nuit-là, c'était assez intéressant parce que finalement, dans l'hémicycle, il n'était plus question seulement que ce qui se passait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus du texte, c'est-à-dire que la droite disait qu'il n'y a pas eu de débat, mais en même temps, on ne parlait plus du fond du texte. Là, on était complètement ailleurs, on parlait des manifestants, qui étaient les manifestants, pourquoi les CRS les avaient bombardés de gaz lacrymogène un mois avant. Donc c'était ça le sujet pour l'UMP, ou du moins pour la quinzaine de députés qui étaient là, parce qu'il n'y en avait pas plus, jusqu'à Philippe Meunier, autre député UMP.
qui vient avec une ballerine dans l'hémicycle pour expliquer, regardez qui est dehors, ce ne sont pas des rangers, c'est des baramines, c'est une ballerine. Donc c'est un beau coup de com', hein, il était sur toutes les télés avec sa ballerine, mais on arrivait à une situation ridicule et à un niveau de tension qui était à la hauteur de ce qui se passait dans la rue. Et c'est là où on a raconté ça dans plusieurs papiers pour montrer que la droite là-dessus avait quand même une responsabilité, parce qu'à force d'appeler comme ça à manifester sans vouloir voir que finalement ceux qui ont une tribune là-dedans, c'est quand même les groupuscules d'extrême droite qui ne devraient pas avoir autant de médiatisation. Donc Jean-François Copé, qui appelle encore et encore à manifester avec ce noyau de députés, avait à ce moment-là une responsabilité. Il y a juste quelque chose que je veux rajouter, après j'arrête de parler, c'est et ça m'intéresserait d'ailleurs d'entendre la petite blanc là-dessus, c'est qu'en fait on avait deux mouvements. Comment dire, il faut bien reconnaître quand même que ce qu'on appelle la manif pour tous, moi je mets toujours des guillemets, la manif pour tous est quand même au départ un mouvement qui, de fait, est un vrai mouvement social, on peut dire, qui s'est structuré d'abord à la base sur un réseau catholique très militant. Moi, j'étais frappé dans le papier qu'on avait fait en juin avec les amis de YAG sur la structuration de ce réseau-là. C'était qu'au départ, vous avez le président des associations catholiques de France qui vous dit, moi, vous savez, c'est pas simple, c'est pas compliqué, j'ai 35 000 familles, elles ont 5 enfants chacun, donc ça, vous faites la multiplication, ça fait beaucoup plus que d'adhérents du PS. C'est ça la réalité de ma mobilisation. Ils ont des réseaux très anciens, hein, voilà. Ça commence comme ça. Derrière, la structuration, qu'on le veuille ou non, est intelligente, c'est d'avoir mis ce personnage de Frigide Barjot complètement déluré, qui emprunte à tous les codes, c'est-à-dire y compris elle ressemble à une égérie de Tea Party américain, elle s'habille, elle avait son scooter, elle s'habille en mini-jupe avec son débardeur, etc. Elle ne ressemble pas du tout à la manifestante de droite classique, d'ailleurs on en voyait des comme ça dans les manifs, mais elle ne ressemble pas du tout à ça. Elle incarne comme ça ce mouvement, y compris dans son côté soi-disant jeune, cool, moderne, etc. Et on a une véritable... Et amis des homosexuels. Et amis des homosexuels en utilisant complètement, y compris des bars gays à Paris qui se retrouvent avec son bomber du Banana Café, donc bar gay de Paris célèbre, qu'elle a pris pendant des mois jusqu'à ce que le patron du Banana Café lui dit « Mais arrête, je veux pas que tu portes ce truc, ok, on était copains il y a 10 ans, mais là c'est fini, tu l'enlèves. » Et il y a quand même une intelligence de l'organisation et aussi, comment dire, de l'utilisation des médias. C'est-à-dire qu'en fait... Ils ont su créer cette espèce de personnage fantoche, et y compris plein de collectifs comme ça qui n'existaient pas, hein, le collectif David et Eugéna, des juifs contre le mariage, en disant en fait c'est qui, c'est un mec et sa femme qui s'appellent David, Eugéna, ils ne représentent rien, c'est pas des associations, ça n'existe pas. Et là maintenant j'ai vu que récemment ils ont créé l'extrême gauche contre le mariage pour tous, un mec qu'on connaît pas non plus, bon voilà. Et il y a cette intelligence-là de créer pour les médias de flux, pour les médias de masse, comme ça, des porte-paroles, un mouvement qui... à l'apparence d'une grande cohérence et de représenter plein de gens. Et ça, c'est vrai que de l'autre côté, malheureusement, il n'y avait pas du tout ce dynamisme-là, peut-être parce que... Alors, on y viendra tout à l'heure à la réponse. Alors, puisque Mathieu voulait que vous réagissiez, réagissez. Alors, sur le fait qu'on n'ait pas eu, nous, de stratégie com aussi efficace, moi, d'abord, je me trouve trop gentil avec le gouvernement, encore une fois. C'est-à-dire, quand on dit « ils n'ont pas vu venir », à mon sens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu venir ces mouvements-là, c'est qu'ils les ont même aidés à s'installer. C'est-à-dire que tout de suite, on a vu venir ça. Après, ils n'ont pas voulu voir très bien. Mais en ne sanctionnant pas tout ce qui se passait et en faisant le genre de déclaration dont vous parliez tout à l'heure sur la liberté de conscience et tout, ils les ont invités à y aller, à se lâcher. Quoi. Donc, on les a même reçus à l'Élysée. Hein. Oui, voilà. Donc pour moi, ils ont une responsabilité claire et nette dans le fait que ces groupuscules, aujourd'hui, et cette extrême droite, se sentent complètement libres de faire tout ce qu'elles veulent. La deuxième chose que je dirais, c'est que, à mon sens, on dit qu'il y a des groupuscules d'extrême droite et puis il y a les autres. Mais les autres, c'est l'extrême droite qui ne s'assume pas. Les autres, c'est quand même une droite qui descend dans la rue contre les droits d'autres personnes. Quand vous descendez dans la rue pour militer contre les droits d'autres personnes, si vous n'êtes pas d'extrême droite, je ne sais pas ce que vous êtes, mais faut vraiment recaler cet échiquier politique. On a l'extrême droite dans la rue, on a la droite républicaine au pouvoir, et puis on a la gauche qui sera en partie invitée tout à l'heure ou qui sera dans la rue le 5 mai. Mais voilà, l'échiquier, pour moi, il est de cet ordre-là. Ça, c'était juste pour rebondir sur ce que disait... Et puis alors, il y a autre chose, et ça aussi, je l'ai découvert en lisant Mediapart, c'était le 28 avril, Jérôme Mordeau, vous avez publié un papier qui s'intitule « La manif pour tous et les
réseau d'une internationale catholique. Alors là, je dois dire, j'ai ouvert des yeux ronds, parce que le printemps français, enfin bon, ça j'en ai entendu un certain nombre, mais alors le côté international du mouvement est organisé, en gros, vers deux directions. Les États-Unis, d'un côté, où là aussi, c'est plutôt un problème fédéral, le mariage pour tous, ou le mariage homosexuel, ou le mariage gay aux États-Unis. Donc, les associations américaines hyper actives. Et dans votre article, ce que vous racontez aussi, eh ben, c'est Rome, tout simplement. C'est-à-dire que, loin des fantasmes d'une église catholique toute puissante, etc., à part qu'à force de les repousser, ces fantasmes, on ne les voit plus, vous racontez que toutes les associations catholiques un peu extrémistes, là, l'Opus Dei, est dans le coup, et que, ma foi, le Vatican a visiblement donné plutôt son blanc-seing, voire son impulsion au mouvement. Oui, tout à fait, c'est ce que disait Mathieu, que derrière le mouvement français, c'était en gros l'Église catholique. En gros, il y a eu beaucoup de questions, moi je me suis beaucoup plus intéressé à la communication donc, de la Manif pour tous, et c'est vrai que, bon, pour faire court, il y a un parallèle direct, et il y a des liens directs avec une association qui s'appelle NOM, qui en gros a essayé de faire le même coup, qui a réussi à faire le même coup en Californie en 2007, c'est-à-dire que c'était une association qui se présentait... Au moment d'un référendum. Ils ont réussi à obtenir un référendum d'initiative populaire. Donc ce qui était des techniques qui étaient plus habituées des milieux progressistes, des milieux justement un peu... en gros, ils ont réussi à créer la surprise en employant les mêmes méthodes que la Manif pour tous, c'est-à-dire en se présentant comme une association, comme on dit aux États-Unis, grassroots, c'est-à-dire populaire, diverse, émanant du peuple. Mais très vite, les États-Unis, donc, ils ont réussi donc à faire adopter un amendement à la Constitution de Californie disant que le mariage doit être limité à un homme et une femme. Ils ont réussi à faire le même coup dans le Maine, et depuis, ils essaiment un peu partout, en créant des think tanks, en finançant des actions en justice pour défendre les homophobes, enfin des choses comme ça. Et c'est devenu l'une des principales organisations. Et très vite, on s'est rendu compte aux États-Unis que cette association, en vérité, était purement catholique, et même plus que catholique, elle était née, en gros, à sa naissance, elle était hébergée dans les locaux d'un institut qui s'appelle l'Institut Witherspoon, qui est hébergé à Princeton, qui est un think tank de l'Opus Dei, et en gros, les fondateurs sont des membres de l'Opus Dei, quoi, tout simplement. Et en gros, donc je me suis intéressé à ça, et en gros, le lien se fait en France, en gros, parce que tout simplement, toute une partie de la Manif pour tous, donc c'est dur de dire, parce que vu que c'est un collectif, en gros, le comité famille-mariage, dont la présidente est Béatrice Bourges, porte-parole de la Manif pour tous. Qui, en tout cas, d'un point de vue d'apparence médiatique, est exactement l'inverse que Frigide Bardot. Enfin, voilà. D'ailleurs, ça a même l'air bien fichu, cette histoire. Elle ne se ressemble vraiment pas du tout. Mais c'est compliqué, parce qu'en gros, on se rend compte qu'il y a des associations transversales, comme le PSDI, la Fondation des Jeunes, qui font le lien entre tout ça. Et en gros, ce comité utilise la même agence de com' que NOM, qui s'appelle Opus Fidelis, que le patron de cette agence de com s'appelle David Lejeune, de la famille Lejeune, et que cette agence de com est en contrat direct avec le Vatican. C'est qui la famille Lejeune ? La famille Lejeune, c'est en gros, c'est l'un des fondateurs du mouvement anti-IVG en France, donc c'est le fameux professeur Lejeune. Et le Vatican dans cette affaire ? Et le Vatican, en gros, bah, utiliser, en gros, par exemple, Opus Fidelis et le sous-traitant officiel du Vatican pour l'évangélisation des médias et pour créer le réseau social des médias. Et en gros, quand on regarde les organigrammes de ces différentes associations, on se rend compte qu'il y a des personnes, il y a des associations, des groupements qui font un lien transversal entre tout ça. Donc il y a cette fameuse comité des familles de France, le comité mariage-famille, pardon. Et il y a aussi la communauté de l'Emmanuel, qui revient très très souvent, les habitués du mouvement, il y a énormément de membres de la communauté d'Emmanuel dans la Manif pour tous. Alors que cette communauté de l'Emmanuel ne fait pas partie des signataires des associations adhérents officiellement. Mais vous avez aussi enquêté, je vais avoir de la parole, vous avez aussi enquêté là-dessus, parce que quand même, à vous écouter, on a l'impression que toute l'Église de France, l'Église catholique, est anti-mariage pour tous, que tous les catholiques sont de droite ou d'extrême droite. Les sondages démontrent, et l'histoire même de l'Église de France, démontre que c'est absolument faux. Les cathos de gauche, ça existe en France. Et ça existe toujours. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on n'entend absolument personne. C'est-à-dire que les antis, là encore, au sein même de l'Église, puisque vous dites que l'Église catholique est à la base du mouvement, on a l'impression qu'ils ont pris absolument toute la place.
Comment expliquer ça? Je ne connais pas la position officielle de l'Église. Je pense qu'elle est quand même contre le mariage pour tous. Et c'est ce que signalait Jean-Yves Camus, que j'ai interviewé, ou encore Christian Terrasse. Qui est un spécialiste de l'extrême droite. Christian Terrasse, la revue Goliath, qui justement fait partie des catholiques pro-mariage pour tous. L'Église est par essence internationale. Quand il y a un mouvement catholique, il est par essence, international. Donc forcément, ils ont pensé ça au niveau international. À pied de blanc. Mais sur ce que vous dites, je pense qu'effectivement, bon nombre de catholiques ne sont certainement pas opposés à ce mariage pour tous. Certains l'étaient au début. Je crois qu'il y a eu telle dérive que, au contraire, certains d'entre eux se sont dit ont réalisé en fait l'homophobie qui existait, la violence que c'était pour nous. Et à titre personnel, moi, je peux témoigner de ça. Je pense que mes parents n'étaient pas forcément ultra convaincus il y a quelques mois ou quelques années. Et ils sont venus manifester à nos côtés en janvier en réaction. Et quand j'ai vu mon père arriver, je lui ai dit en rigolant, mais c'est exactement ça. Je lui ai dit, c'est marrant, les homophobes, ils ont réussi à faire en 6 mois ce que moi, je n'ai pas réussi à faire en des années. Et c'est vraiment ce qui s'est passé aussi. Donc je pense qu'il y a bon nombre de catholiques qui, effectivement, ne se reconnaissent pas du tout dans les propos d'André 23 ou autres débilités qu'on a pu entendre. Ça, c'est sûr. Maintenant, ils ont quand même aussi une petite part de responsabilité dans le fait de ne s'être pas fait entendre, peut-être plus largement. Il y a eu dans Témoignages chrétiens, dans La Ville, il y a eu des articles quand même de cathos qui ont dit « on en a marre, quand l'Église parle, c'est pas nous », voilà. Mais bon, voilà, ils auraient peut-être plus pu être médiatisés. Mais enfin, alors là, il y a la responsabilité aussi des médias qui a peut-être voulu voir uniquement qu'un certain profil de cathos. Et il y a aussi certaines paroisses qui ont quand même mobilisé. On l'a beaucoup vu nous dans les manifestations des opposants. C'est-à-dire que concrètement, il y a des mails. D'ailleurs, certains ont été publiés. Nous, on l'a republié derrière des mailing lists mobilisant depuis le mois de novembre. Ça a été assez efficace. C'est-à-dire qu'il y a eu la puissance paroissiale vraiment comme force organisationnelle. Enfin, ils ont organisé, ça veut dire location de cars, de trains, etc. Ils payaient les cars. Ou des associations un peu par avant. Par exemple, cette association du Comité des Familles de France est hébergée exactement la même adresse que la librairie de l'Homme Nouveau, qui appartient pas à l'Église, mais qui est le diffuseur officiel de l'Observatore Romano, le journal officiel du Vatican. C'est pas des liens directs. Il y a des associations par avant. En gros, ils ont réussi à constituer une sorte de paravent général d'association qui permet de masquer l'Église, on a l'impression. Et alors, en plus, il faut dire aussi qu'il y a une responsabilité des lesbiennes, gays, bi et trans qui étaient peut-être démobilisées, dépolitisées ces dernières années en se disant eux aussi, ouais, finalement, à peu près, ça va. Et qui ont eu du mal, là, à se remobiliser. Et on a réalisé, et nous, en tant que collectif, oui, c'est un peu pour ça qu'on s'est créé, et on a réalisé qu'il y avait un manque de représentativité pour les LGBT, pour porter cette parole politique, et qu'on n'avait personne pour la porter, parce qu'on avait l'inter LGBT qui a quand même brillé par son inexistence, grosso modo, ou en tout cas, ce qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas marché, on peut le dire. C'est l'inter LGBT qui fédère 60 associations, qui organise chaque année la marche des fiertés, donc la Gay Pride, ce qu'on appelle la Gay Pride. Merci Mathieu. Et l'inter LGBT, qui donc, le porte-parole de l'inter LGBT nous représente un petit peu, en tout cas porte une parole, il a été reçu par François Hollande, par exemple. Après la liberté de conscience, justement. Voilà. Et en fait, c'est vrai que dans le mouvement, et notamment chez les féministes et les lesbiennes notamment, on a réalisé qu'il y avait un manque de représentativité des lesbiennes et des femmes dans ce combat qui était aussi une lutte féministe. D'ailleurs, ce qui est passé à la trappe, c'est la PMA, c'est pas un hasard, c'est un combat féministe, du coup, hein, qui comporte nous en tant que lesbiennes, mais aussi pour les célibataires. Donc, il y a eu, de notre côté, très certainement, un manque. Et malheureusement, ça n'a pas permis, du coup, de faire contrepoids avec le réseau organisé à côté, notamment avec les réseaux catholiques. Et en plus, ce qui était le plus marrant, et complètement absurde, c'est que ces mêmes personnes nous accusaient, nous, d'avoir une espèce d'international LGBT, de réseau de l'ombre, et qu'on faisait la pluie et le beau temps partout, alors que, franchement, on avait cette puissance-là, on n'aurait pas... Enfin, on Jérôme Bordeaux. C'est intéressant de voir aussi l'autre côté, parce que, en gros, j'ai vu récemment, il y a un document que j'avais vu, pourtant, je n'ai pas vu en détail, qui a été dévoilé il y a un an, donc de l'association NOM, qui est un document interne de leur stratégie
Donc il y a des choses assez ignobles, on fait monter les noirs les uns contre les autres, donc les gays et tout ça, enfin bref. Et il y a une partie sur l'international qui propose la création d'une organisation internationale pour le mariage, qui a été créée depuis d'ailleurs et dont fait partie ce comité des familles françaises. Et il commence donc cette partie-là en disant, vu que le mouvement pour le mariage gay est un mouvement global, donc eux considèrent être face à un mouvement global. Et donc ils disent que la contre-rébellion, la contre-insurrection, je crois qu'ils ont le terme, doit être elle-même globale. Et ça, c'était il y a un an. Mmh. Et après, il détaillait même comment financer, c'est-à-dire que les donations américaines doivent rester américaines, les donations internationales doivent être internationales. Pour eux, c'est un combat global, parce que le mouvement pour le mariage gay est global. Mais comment on peut expliquer ça, quand même? Parce qu'on a l'impression, vu de loin, hein, de façon un peu schématique, qu'au début des manifestations, il y avait une mobilisation à peu près équivalente, et que même tout le monde voulait se compter. Et que les pour voulait aussi se compter contre les anti. Et on a l'impression que ça s'est passé une fois, qu'il y a eu deux manifestations concurrentes, et puis que la mobilisation des gens favorables au mariage pour tous s'est littéralement effondrée. Comment expliquer cet effondrement, en tout cas dans la rue? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, mais c'est aussi parce que, je pense, les premiers concernés ne l'ont pas rappeler assez fortement, et qu'en effet, il n'y avait pas une parole politique assez forte pour le rappeler, y compris soit au niveau du gouvernement, soit au niveau des représentants des homosexuels, c'est qu'on est dans une lutte de minoritaires. Et les luttes de minoritaires, et d'ailleurs, Christiane Taubira l'a très bien rappelé, c'est la seule qui l'a rappelé, mais on est dans une lutte de minoritaires, et les luttes de minoritaires ne sont pas appelées à déclencher des mouvements sociaux de masse, c'est-à-dire qu'on connaît tous des gens qui ne sont pas homosexuels, qui sont hétérosexuels, qui sont allés manifester une fois, deux fois, trois fois, puis bon, voilà, qui disent, bon, bah, ok, vous êtes gentil avec votre truc, mais bon, enfin... Voilà, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire et tout. C'est tout à fait logique et compréhensible. C'est-à-dire que tout ça a tellement traîné aussi, hein, donc ça joue aussi là-dessus. Donc en fait, on avait vraiment une lutte de minoritaires qui devait être portée par une parole politique forte, etc., et qui n'a pas été. Et donc du coup, on avait un mouvement un petit peu comme ça livré à lui-même, qui en plus, ces dernières années, il faut dire ce qui est, c'est un petit peu parce qu'on était dans l'opposition, parce qu'on était dans une, en gros, ceux qui défendaient les droits des LGBT étaient dans l'opposition, parce qu'on était dans une opposition au pouvoir sarkozyste, dans ce schéma-là. De fait, le militantisme LGBT a plutôt collé au PS, en fait, ces dernières années. Et de fait, vous avez, des liens. Et donc, du coup, beaucoup se sont dit, bon, bah, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arriver au pouvoir, ils vont nous faire le truc, et puis, bon, on discutera avec eux pour avoir quand même, y compris la PMA et d'autres trucs, et puis ça, bon voilà, ça arrivera bien. Il y avait une confiance comme ça, très forte. Et la contre-révolution dont parlait Jérôme a été totalement sous-estimée. C'est ça, et en même temps, ce qui s'est passé de fait, c'est qu'on arrive ce pouvoir qui est arrivé, qui n'a pas fait cette réforme tout de suite, qui derrière s'est dit, je ne suis pas légitime, continue à se le dire d'ailleurs, je ne suis pas légitime, mais finalement, voilà, c'est normal que s'exprime une droite comme ça, qui s'estime elle-même. C'est-à-dire qu'il doute de sa propre légitimité. Il doute de sa propre légitimité. Alors que les autres le trouvent déjà, légitime. Qui estime que la société française se droitise, etc. Pendant ce temps-là, les sondages ont baissé, et le François Hollande est devenu très impopulaire. Et du coup, tout ça se conjugue pour faire une espèce de paralysie. Et finalement, là, quand tout ça a été voté, dans l'exécutif, ils étaient tous extrêmement soulagés. Et je pense qu'on n'est pas prêt de reparler de questions sociétales, la PMA, mais aussi l'euthanasie, par exemple, d'autres questions sociétales. Ouais, juste pour rajouter deux, trois trucs, mais tout à l'heure, on parlait GPA. La droite a agité tellement de choses contradictoires, enfin, qui n'avaient rien à voir dans le débat. Ça a aussi perdu un peu les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens de bonne foi qui se disaient, bon, je vais essayer de comprendre, et qui, du coup, ils ne comprenaient plus rien, et ça les a démobilisés. Bon, déjà, ils n'étaient pas très mobilisés, mais du coup, ça, bon, pour le coup, on les a perdus. La deuxième chose aussi, c'est que, et ça, la droite l'a très bien réussi, c'est-à-dire qu'elle a essayé d'opposer les gens, ce qu'elle fait toujours très bien, c'est-à-dire que là, elle a essayé de dire, finalement, c'est les homosexuels contre d'autres. Alors que tout l'intérêt d'un combat comme celui-là, c'est d'avoir une convergence des luttes. C'est-à-dire, on ne lutte pas pour les droits des personnes homosexuelles, même si là, effectivement, quand même, il y avait ça. Mais quand on se bat pour des droits, c'est des droits pour toutes et pour tous. C'était la question centrale de l'égalité qu'on rappelait au début. Voilà, et je pense qu'il y avait tout intérêt à justement se mobiliser pour ce combat-là, parce que ça aurait peut-être aussi rappelé au gouvernement ses promesses sur le droit de vote des étrangers, sur les sans-papiers, etc. etc., etc. Donc c'est là qu'on a vraiment raté le coche d'emmener avec nous aussi une autre partie de la population en essayant de lui faire comprendre que ce combat pour l'égalité, il est bien plus large que je suis un homosexuel et j'ai envie de me marier. Et puis juste un dernier mot, mais au sein même de cette communauté homosexuelle, même si je ne sais pas trop
qu'elle représente. Mais il y a aussi des conservateurs, des réacs, il y a l'inter-LGBT qui est quand même une grosse association qui a du mal à bouger, qui a du mal à être réactive, et les Antilles ont été extrêmement réactifs. Et puis il y a aussi, et là je le redisais tout à l'heure, toute une majorité, enfin pas une majorité, mais en tout cas des gays qui eux, bon à la limite peut-être ils veulent le mariage pour être vraiment dans cette espèce de norme hétéro, mais le reste, ils s'en foutent un peu. Et donc, les combats spécifiquement qui concernaient, enfin, plus spécifiquement les femmes, eh ben, ça a été beaucoup plus dur aussi pour nous de mobiliser et les gens et les homosexuels eux-mêmes. Jérôme Mamou. Oui, je pense qu'il y a joué aussi. Je pense qu'il y a une disproportion de moyens aussi déployés entre les pros et les anti. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des vidéos, c'est ce qui a un peu suscité mon enquête, ce qui m'a poussé à m'intéresser là-dessus sur Internet, c'est des achats de liens sponsorisés, de contenus sponsorisés. J'allais sur YouTube, il y a des vidéos anti. J'allais sur Facebook, il y a des contenus anti. Je n'ai jamais proposé de contenu pro. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion de moyens entre les deux camps qui pour moi, est une première dans la mobilisation. C'est-à-dire qu'on a sur Internet, notamment, les gens qui arrivaient à se mobiliser sur les réseaux sociaux, c'était plus de milieux progressistes. Internet, c'est un milieu rationaliste, plus de gauche, notamment aux États-Unis. Et là, pour la première fois, c'était le cas de Nome aussi en 2017 en Californie, pour la première fois, les conservateurs ont battu les progressistes sur leur propre terrain, sur Internet. Et puis l'extrême droite, qui est quand même très, très présente sur la toile et qui a profité aussi des réseaux sociaux, d'Internet, de tous ces blogs, pour se structurer. Donc ça, ça compte. C'est plus de financement, une disproportion là-dessus, mais aussi un problème de structuration. Et en même temps, Marine, je voulais qu'on termine là-dessus parce qu'on a presque fini, mais c'est aussi l'un des paradoxes de cette affaire qui en compte beaucoup, c'est que quand on dit extrême droite, on pense Front National et on pense Marine Le Pen. Or là, ce qu'on a constaté, c'est que le moins qu'on puisse dire, le Front National n'était pas en pointe, ou en tout cas Marine Le Pen elle-même n'était pas en pointe. C'est surtout qu'en fait, elle a raté la marche, elle a raté le coche, elle était très embêtée sur cette affaire de mariage pour tous, et à l'automne, le Front National a vraiment étalé ses divisions sur la question, est-ce qu'ils doivent ou non être dans les manifestations avec les Antilles. Là-dessus, ils étaient divisés, elle a dit non, on n'y va pas, avec un argument qui était on ne va pas rentrer dans l'écran de fumée que veut nous mettre le gouvernement. Elle se disait qu'elle ne pouvait pas capitaliser électoralement sur ce sujet, parce que son électorat ne voulait pas entendre parler de, dans un sens comme dans un autre, opposition ou non, du mariage pour tous. Mais il y a eu ça, mais finalement, derrière, elle a vu que Copé avait pu tirer parti de cette mobilisation. Et encore plus aujourd'hui, la Manif pour tous dit on va présenter des listes aux municipales en 2014. Donc elle est un petit peu prise dans un étau entre l'UMP, ou en tout cas une partie de l'UMP qui a tiré profit de tout ça, et puis de l'autre côté, un espèce de mouvement qui est en train de se créer entre la droite et l'extrême droite, et qui pourrait avoir une présence électorale. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a une nébuleuse qui s'est un petit peu reconstituée. Donc il peut y avoir une recomposition aussi de ce côté-là. Peut-être. Et en tout cas, là-dedans, le Front National n'est pas, puisque à partir du moment où Frigide Barjot a dit qu'il y aura peut-être des candidatures municipales, les deux, le collectif et le parti du Front National, se sont tirés dessus. Donc bon, elle a complètement raté le coche là-dessus, et les divisions internes ont vraiment été étalées depuis plusieurs mois. Je ne vous demande pas de faire de la voyance, mais quand même, comme ça, d'un point de vue d'analyse, une droite, une UMP alliée avec je ne sais pas qui d'ailleurs, qui reviendrait au pouvoir, revenir sur cette loi-là qui, ça y est, a été votée, est-ce qu'ils y croient eux-mêmes, Mathieu ? Moi, je crois qu'ils n'y croient pas. Une partie, là, Marine peut en parler mieux que moi, mais ils ont... Je crois qu'ils n'y croient pas vraiment. C'est-à-dire qu'une partie de la droite a dit on reviendra sur cette loi. On va, à un moment, Valérie Pécresse a laissé entendre qu'elle voudrait presque démarier les gens. Bon, évidemment qu'ils savent qu'ils ne reviendront pas là-dessus. Et je pense que notre conversation et ces débats, peut-être dans 6 mois déjà, paraîtront dépassés. Et peut-être que tout ça nous paraîtra loin. En même temps, il reste pour les militants un certain nombre quand même de choses à faire et de combats à mener. Et en fait, ils n'y croient pas eux-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, ils arrivent à y faire croire les gens. Et ça, c'est tout leur concept. Merci beaucoup à tous les quatre. On va se retrouver dans 35 minutes maintenant avec Jean-Luc Mélenchon, Edoui Plenel, une bonne partie de la rédaction de Mediapart, et puis un autre invité qui est Pascal Durand, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Ça sera le grand débat de 20h30 à 22h à peu près. Merci infiniment à tous les quatre, et je vous rappelle que jusqu'à minuit, offre d'abonnement exceptionnelle, 4 mois, 25 euros. À tout de suite.
mauvais hollandais. Non, j'ai été gentil, on m'a dit d'être soft, j'ai été soft. Non, très bien, c'est ça un reproche. Hein. J'ai été soft. C'est parfait. Je vous assure que sinon je suis pire. Il rate même ce qu'il réussit. Sur la droite, là, finalement, on aura eu la. Vous avez eu une autre formule en disant qu'il aura réussi à faire. À rénover la droite. Ou un truc comme ça, ou... Ah, il a réenchanté les jeunesses nationalistes. Voilà. Non, parce qu'il voulait, réenchanter la jeunesse. Mais... Oui. Voilà. Merci. Merci. Moi, j'interviens qu'à 21h. Juste à changer de la chaîne. J'interviens après, je peux le faire.
Bonsoir à tous, rebonsoir pour ceux qui ont suivi les plateaux de 18h et 19h et bienvenue à nouveau dans cette rédaction pour le grand débat organisé par Mediapart et intitulé « Après le séisme Cahuzac, pour une 6e République ». Point d'interrogation, notre invité principal était déjà avec nous il y a un peu plus d'un an, c'était le 23 mars 2012, Jean-Luc Mélenchon, vous étiez à ce moment-là le candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle et vous étiez venu, je crois que ça avait duré 2h30, hein, d'ailleurs ça avait été long, dans cette même rédaction avec les journalistes de Mediapart, donc en pleine campagne des présidentielles. Vous êtes député européen, vous êtes coprésident avec Martine Billard du Parti de Gauche et vous avez appelé à une grande manifestation dimanche prochain. Ça sera le 6 mai à Paris, place de la 5. 5 mai, pardon, à Paris. 13h30, place de la Bastille. J'avais l'heure, mais pas la date. Ça sera bien le 5 mai. Il y aura plusieurs parties dans cette soirée. Une première partie, ça sera un débat entre vous, Jean-Luc Mélenchon, et puis Pascal Durand. Bonsoir. Vous avez été élu il y a un an, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et vous n'appelez pas à cette manifestation, mais nous avons cru comprendre que malgré tout, vos positions sur un certain nombre de choses, et en particulier sur le problème d'une 6e République, étaient communes. Donc nous vous demanderons de vous en expliquer. Ce sera la première partie de cette soirée. Et puis la rédaction de Mediapart interviendra. Il y aura une longue première partie avec Mathieu Magnodex qui sera consacrée, Jean-Luc Mélenchon, à votre stratégie politique, à ce qui se passe actuellement. Est-ce que votre souhait, par exemple, d'une majorité alternative, ce souhait est-il réalisable? Et si oui, avec qui? C'est les questions que vous posera Mathieu. À un moment aussi où on sort du refus de même la présentation de la loi sur l'amnistie syndicale, et donc on a l'impression que là, un fossé s'est peut-être creusé encore un peu plus pour les forces de gauche dans ce pays. Et puis il y aura une dernière partie, dernière et troisième partie, avec Martine Orange, qui est journaliste à Mediapart, qui est spécialisée dans les questions économiques, sociales et financières, et qui, elle, vous interrogera, puisque vous êtes député européen, sur l'Europe, la France en Europe, à un moment où les relations avec l'Allemagne se tendent, ou à un moment où certains souhaiterait qu'elle se tende, elle vous interrogera sur la France seule en Europe. Est-ce que là encore c'est possible? Est-ce qu'une autre politique est possible dans l'échiquier européen? Tout ça nous conduira, et on a promis de tenir la pendule cette fois parce que vous avez une matinale radio demain matin, donc tout ça nous conduira vers 22h, 22h15. Et je passe la parole à Edoui Plenel. Pour une introduction et puis aussi pour la première question. En essayant de faire court. Une petite citation. « Être le grain de sable que les plus lourds engins, écrasant tout sur leur passage, ne réussissent pas à briser. » C'est une citation de Jean-Pierre Vernant, grand historien, grand résistant, qui concluait le manifeste, le premier manifeste de Mediapart, « Combat pour une presse libre ». Alors ce grain de sable, on l'a vu à l'œuvre dans cette affaire Cahuzac, comment un journal, le vôtre, indépendant, participatif, a pu enrayer la machine du mensonge et du coup provoquer ce qui est un séisme démocratique. Car cela, au-delà de la personne de Jérôme Cahuzac, au-delà de l'enquête judiciaire en cours, cela a montré un système totalement épuisé, aveugle, inconscient, au point de se solidariser de ce mensonge, au point de l'accompagner, que ce soit dans la majorité du système politique ou du système médiatique. Alors du coup, la question qui est posée, c'est un agenda naturel, il est dans l'ADN de Mediapart depuis le début. C'est comment on revitalise, on refonde cette démocratie. Et cet agenda, il est aujourd'hui fixé dans la vie publique du pays par l'annonce faite par Jean-Luc Mélenchon au nom du Front de Gauche de cette marche pour une 6e République dimanche 5 mai, et ce sera à partir de la place de la Bastille. Place de la Bastille, n'oubliez pas, sous la colonne, il y a 500 dépouilles d'ouvriers et d'employés de ce faubourg Saint-Antoine qui sont morts en 1830 lors des Trois Glorieuses. Et savez-vous pourquoi ils sont morts? Pour la liberté de la presse, contre les ordonnances de Charles X qui les supprimaient. Le lien entre cette question démocratique, la vitalité de la presse et la question sociale, il est concrètement là, dans cette crypte qui est au pied de la colonne de juillet sur la place de la Bastille. Alors du coup, cet ordre du jour,
objectif et actif par la position prise par le front de gauche, il était logique que ce soit le thème de notre grand débat. Et c'était d'autant plus logique de le commencer par un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Pascal Durand, que Pascal Durand, au nom d'Europe Écologie Les Verts, a organisé, en nous conviant d'ailleurs, nous, Mediapart, sous l'effet du choc Cahuzac, une journée autour de cette idée de refonder la démocratie, et que pendant l'affaire Cahuzac, Pascal Durand s'est prononcé, au nom de sa responsabilité politique, pour l'enquête de Mediapart, l'a accompagné et a critiqué la façon dont le mensonge était là. Quant à Jean-Luc Mélenchon, et peut-être l'évoquerez-vous, nous nous souvenons tous que dans ce séisme, en pleine affaire Cahuzac, celui qui a incarné l'orientation politique du pouvoir au point actuel, au point de débattre avec vous le 7 janvier, la veille de l'ouverture de l'enquête préliminaire provoquée par notre lettre au procureur de la République, eh bien c'était Jérôme Cahuzac, le fameux débat qui est entre vous deux. Et donc voilà le sens de ce débat, conforme au fond à la sensibilité des lecteurs de Mediapart. Ils votent aussi bien Europe Écologie, Front de Gauche, socialistes, voire autre chose, car ils sont de plus en plus nombreux, mais tous ont à cœur de refonder cette République, de revitaliser cette démocratie. Donc nous attendons beaucoup de votre débat. Pas de petites phrases, pas de polémiques personnelles, mais au fond que vous vous expliquiez, parce que j'ai apporté là les programmes. J'ai apporté le programme du Front de Gauche, on a relu le programme du Front de Gauche, qu'ils s'en aillent tous, best-seller qu'il a précédé de Jean-Luc Mélenchon, on reviendra sur d'où vient cette formule. J'ai apporté le programme d'Eva Joly et d'Europe Écologie Les Verts. Et chacun le sait, c'est sur Mediapart, Eva Joly, votre candidate il y a un an, et une partie de responsables d'Europe Écologie Les Verts iront le 5. Donc voilà la question, c'est que vous êtes d'accord. Je ferai les citations peut-être tout à l'heure, je ne vais pas allonger. La 6e République, elle est présente dans vos deux programmes. Donc ma question, c'est comment on rassemble autour de ça. Et ma première question, c'est Jean-Luc Mélenchon. On vous a critiqué un peu pour avoir annoncé ça au début, disait-on, de manière un peu unilatérale. On a dit même que Pierre Laurent, le responsable du Parti communiste, l'aurait appris dans sa voiture. Bon, ça c'est derrière vous. Qui y aura-t-il ? Y aura-t-il Jean-Luc Mélenchon et la foule ou y aura-t-il réellement une marche avec d'autres forces dimanche ? D'abord, il faut, pour vous répondre avec le sérieux de notre rencontre, il faut que vous compreniez comment nous pensons les événements. Sinon, on nous interprète à travers une grille de lecture qui n'est pas la nôtre. Bon, j'aurais beau jeu de dire comment peut-on imaginer qu'une proposition pareille soit déposée comme ça à l'emporte-pièce un matin par un personnage politique. Ça n'existe pas, ça. En tout cas, pas dans nos cadres à nous. Ou sinon, comment expliquer cette incroyable synchronisation ? À 8h du matin, je fais la proposition sur France Info. À 9h30, Pierre Laurent la trouve intéressante. À 16h, le même jour, toutes les forces du Front de Gauche, qui se rencontrent une fois par semaine, et là, c'était deux fois dans la semaine, adoptent le principe de cette marche. Non, on voit, on est dans un autre cadre mental que celui du sensationnalisme qu'on nous impute. Les choses ne se passent pas comme ça. Comment voyons-nous le problème ? D'abord, nous avons le sentiment d'être dans une société dont les institutions politiques, à force d'être tétanisées par le poison du personnalisme, de la monarchie quinquennale, qui donne l'illusion d'une efficacité politique, parce que le pouvoir semble concentré sur une personne qui, dès lors, a les mains libres pour prendre les bonnes décisions. Mais il a aussi les mains libres pour prendre les mauvaises. Et surtout, il attache les mains de tous les autres. C'est-à-dire que l'hyper-présidence déresponsabilise toute la hiérarchie des pouvoirs à l'intérieur de la République. Et donc facilite la contamination de la présence de l'argent, qui lui est devenu roi dans la société et cherche à tout instant à s'approprier la bonne décision. Au point que parfois nous nous rendons même plus compte de ce qui se passe autour de nous. Imaginez-vous que quand vous êtes au Parlement européen, vous avez plus d'une vingtaine de lobbyistes par député. On appelle ça des lobbyistes, cela paraît très convenable. Ça s'appellerait agent d'influence et ailleurs corrupteur. Parce que c'est peser du point de vue d'un intérêt particulier sur la décision qui concourt au bien-être général. Alors, pour revenir au cœur de la question, la réponse à cette tétanisation de la politique, à sa personnalisation, à
sa corruption, mais on m'entend bien, au sens général, je ne mets pas en cause les individus, on reviendra sur l'affaire Cahuzac, parce que nous, responsables politiques, il faut qu'on aille aussi au bout de certaines mauvaises habitudes de pensée, des réflexes. Tout à l'heure, si vous le souhaitez, on y reviendra, parce que vous avez fait quelque chose qui est plus que du journalisme au sens où on l'entend d'habitude. Alors, le mouvement est naturellement d'abord une marche citoyenne. Notre modèle, ce sont les marches citoyennes du Portugal ou de l'Espagne. C'est-à-dire que nous vivons, nous, le Front de Gauche, comme des déclencheurs. Et moi, Jean-Luc Mélenchon, qui porte le porte-voix de la maison, je suis le porte-voix du déclencheur. Donc j'ai dit, je propose une manifestation. Je n'ai pas dit, je vous ordonne de venir tous le 5, ça ne tient pas debout. Donc nous sommes déclencheurs. Et ensuite, nous avons déjà rodé la formule. Nous remettons le pouvoir à un comité. Là, c'est un collectif dans lequel il y a Eva Joly, ses représentants, qui organise la manifestation, qui est donc une marche. Il y a des gens de toutes sortes qui viennent là. Vous vous souvenez peut-être, Edoui Plenel, que pendant la campagne, j'avais inventé « il y a une consigne, n'attendez pas la consigne ». Donc les gens font leur pancarte, ils comprennent, le peuple français est intelligent, il est cultivé, il n'a pas besoin qu'on lui tienne la main pour écrire les pancartes, il n'a pas besoin qu'on lui explique 10 fois quel rapport il y a entre la 6e République, la lutte contre la finance et la lutte contre l'austérité. Assez spontanément, il comprend, bien sûr, il faut toujours éclairer, aider à formuler, c'est notre rôle, les militants politiques. Nous sommes des porte-voix, nous sommes des éclaireurs, pas une avant-garde. Et donc, la marche du 5 mai va regrouper beaucoup de gens très différents, politiquement. Certains viennent qui me sont totalement hostiles, et qui sont hostiles au Front de Gauche d'une manière dont vous n'avez pas idée, je pense à Olivier Besancenot. Lui, il met carrément sur ses affiches, on ne vient pas pour la 6e République. Bon, vous voyez, là, ça va un peu loin quand même, hein. Mais bon, c'est l'idée républicaine. Il vient pour changer quand même quelque chose. Et il vient contre la finance et contre l'austérité. Parce qu'il y a des affiches du NPA, effectivement, en ce moment, placardées. Qui appellent à la manifestation. Mais qui disent, notre objet n'est pas la 6e République, parce qu'eux-mêmes se font une idée. Mais je trouve bien qu'ils soient là, parce qu'ils concourent par leur énergie à la conscientisation, qui fait que peut-être des gens vont venir en disant, bon, la 6e République, là, Durand, Mélenchon, tout ça, bon, où est-ce qu'ils veulent en venir à la fin? Vous avez dit Durand, vous l'avez embarqué, là. Parce que c'est aussi son idée, elle ne m'appartient pas. La 6e République n'est pas la propriété du Front de Gauche, tout de même. De même que la manifestation n'est pas la propriété du Front de Gauche. Ce que nous visons, je vais terminer là-dessus, parce que je m'aperçois que je suis un peu long. Notre stratégie est la suivante. Nous avons constitué une force pour franchir un seuil de crédibilité dans un espace politique où les socialistes étaient devenus totalement hégémoniques et où on ne pouvait plus dire une parole, puisqu'à la fin, on était enchaîné au char du vainqueur. Nous avons franchi ce seuil. Mais le Front de Gauche n'a pas pour objectif lui-même. Nous ne sommes pas notre propre fin. Notre idée n'est pas de remplumer nos partis, de remplumer notre front. Notre idée est que, étant déclencheur, se constitue un front du peuple, qui a une vocation révolutionnaire. C'est-à-dire que, se constituant en assemblée citoyenne, ils viennent à s'emparer de la question du pouvoir, de son exercice, et comme vous le savez, ici, il n'y a que des gens que de bonne compagnie et de longue éducation. S'emparer de la question du pouvoir, c'est s'emparer de son propre destin, hein. Pour reprendre la phrase de Léon Trotsky qui disait « Au fond, les révolutions ne sont qu'une chose, c'est l'irruption du grand nombre là où se règle son destin ». Eh bien, moi, j'ai toujours cette vision en tête, après une longue vie de militant. Je crois en effet que l'objet de l'histoire et que toutes les révolutions sont citoyennes depuis le XIVe siècle de notre ère et encore aujourd'hui. C'est-à-dire de braves gens, voyant que les institutions sont incapables de répondre à leurs problèmes, que les gens qu'on a mandatés ne font pas ce pourquoi on les a mandatés, se disant « mais ces gens sont intelligents tout de même, comment se fait-il qu'ils n'arrivent à rien, alors qu'ils sont bien éduqués, que nous ne comprenons rien à ce qui nous arrive? Pourquoi ne font-ils jamais les choses comme prévu ?» Et alors ils se disent « si c'est comme ça, on s'en occupe nous-mêmes ». Et ils s'occupent d'abord de choses simples. Voilà la démarche qui est celle de la marche, et peut-être qu'on peut partager cet état d'esprit, il me semble, on ne doit pas être très éloigné, même si tactiquement, nous n'avons pas la même vision de ce qu'il faut faire dans l'instant. Pascal Durand, ce sera que notre sort. Pourquoi ne le faites-vous pas, vous, Europe Écologie, un an après avoir été défendu par Eva Joly, qui le fait? Réponse. Déjà, merci d'avoir organisé ce débat, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver des espaces de dialogue médiatique où on peut essayer de poser des problèmes de fond et essayer d'approcher, différemment peut-être, mais d'approcher une vision commune d'une situation. Moi, je voudrais, on va parler de la manifestation du 5 mai, mais
si je pensais que c'est simplement à travers cette manifestation qu'on arriverait à instaurer la VIe République en France, je pense que le débat serait entre nous beaucoup plus simple. Je pense que ça n'est pas qu'une différence tactique. Et c'est là où il faut qu'on arrive à discuter et à échanger. Parce qu'effectivement, on pourrait dire finalement, on veut tous les deux une VIe République, tous les deux, nos deux mouvements, hein, entendons-nous bien, on veut une VIe République, mais on a des choix tactiques un peu différents. L'un préfère être en dehors du gouvernement et s'appuyer sur la rue. L'autre préfère utiliser le levier du gouvernement et de la représentation parlementaire pour agir de manière plus efficace. Simplement, c'est plus complexe que cela. Et je pense que c'est là où il va falloir qu'on débatte. Jean-Luc, tu as cité... Je te tutoie, c'est plus simple. Tu as cité tout à l'heure Trotsky en disant « je crois aux lois des nombres », etc. Moi aussi, je crois aux lois des nombres. Simplement, dans une démocratie, le loi des nombres, c'est arriver à faire une majorité. Oui. Voilà. Et on est d'accord là-dessus. Oui. Et donc, la difficulté que nous avons maintenant, et c'est là où il faut qu'on arrive à construire ensemble. Effectivement, moi j'ai réagi par une réunion le 21 avril, parce que ça a une signification particulière, le 21 avril, pour nous. Le 21 avril, c'est le moment où on a eu le choix entre la droite et l'extrême droite, en France, dans la République française, 2002. Non, je crois que personne n'a oublié parmi les gens qui nous regardent ce soir. Donc moi, mon problème, il n'est pas simplement de dire « il faut changer de République pour changer de République ». C'est comment on arrive à construire cette VIe République, comment on arrive à créer les majorités politiques qui vont nous permettre de réaliser ces changements. Et là, j'aimerais vraiment qu'on puisse effectivement débattre. Parce que le cœur, vraiment le cœur du sujet, c'est pas de savoir si effectivement on va avoir des divergences. Hein. Quand on va rentrer dans le détail, je ne sais pas si tout à l'heure on va rentrer dans le détail de la VIe République. L'ordre du jour est le vôtre. Alors, on ne met pas exactement notre rapport à l'État, notre rapport à l'Europe. On a des différences entre nous et on pourra en débattre. Mais en amont de cela, il y a la question de la méthode, mais de la méthode sur le fond. Pour nous, la fin, elle est dans les moyens. Lorsque Jean-Luc Mélenchon porte, je sais, et c'est pour ça qu'on va, va discuter de cela, moi, ma VIe République, elle se construit sur une démocratie ouverte, respectueuse, tolérante. Je ne veux pas dire que ça n'est pas nécessairement la vision que porte le Front de Gauche. Mais en tout cas, moi, elle se construit comme ça. Et effectivement, ma difficulté, c'est que je ne pense pas que ça soit dans une logique, au moment où nous nous situons, parce qu'il y a danger, parce que nous faisons la nécessité de fédérer, de recréer du lien. On est dans un monde, dans une société, dans une république, complètement, à la fois déstabilisé et totalement déboussolé. Les gens ne savent plus. Écoute, on l'a vu hier, il se trouve qu'à la manif du 1er mai, on était à côté l'un de l'autre, point fixe. La mobilisation, elle n'est pas là. Je veux dire, l'année dernière, le 1er mai, avant que la gauche arrive au pouvoir, les gens étaient dans la rue. Les gens avaient une envie de politique. Ils avaient une envie de changement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les citoyennes et les citoyens sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne savent plus comment réagir. Et donc, moi, je le dis très clairement, je ne pense pas que se mettre dans une situation d'agression, notamment à l'égard de nos partenaires socialistes, soit la bonne solution pour le moment. Pour qu'on comprenne bien, la divergence tactique, elle n'est pas tactique, elle est sur la réforme. Le positionnement d'opposition au Parti socialiste qui fait que vous ne pouvez pas faire le saut. Ce n'est pas l'opposition au Parti socialiste en tant que tel. Je considère que nous devons construire des majorités. Parce que la VIe République, on ne va pas la décréter. On ne va pas l'imposer par la force. C'est exactement le problème des majorités. Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « je veux être Premier ministre de ce pays », pour changer la politique. Mais il le sait très bien. Là, il est dans la déclaration. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas simplement une question d'homme. C'est que pour mettre... Et ça n'est même au-delà pas une question d'homme. C'est que pour mettre en place le programme que Jean-Luc Mélenchon veut porter, pour mettre en place les évolutions, les transitions que la société française doit mettre en œuvre, il faut que l'on crée les conditions de cette majorité. Et pour créer les conditions de cette majorité, nous ne pouvons pas le faire
dans une logique démocratique, par l'agression, par le conflit ou par la logique bloc contre bloc. Vous considérez, Pascal Durand, que cette manifestation du 5 mai, selon vous, est quoi ? Un facteur de division pour les choses soient claires ? Non, ne me faites pas faire de raccourcis comme ça, parce que justement, je suis en train de dire que je vais dans une logique de rassemblement et de construction et pas d'excommunication. Je dis que déjà dans une démarche, pour moi, la 6e République, quand je dis elle doit se faire ensemble, dans une logique de démocratie participative que nous défendons tous les deux, nos deux mouvements. La première des choses, c'est que c'est vrai que lorsqu'on veut faire une manifestation unitaire, je trouve qu'on en a fait un certain nombre dans notre vie, les uns et les autres, c'est pas la première manifestation qui est organisée dans ce pays. Lorsque l'on fait une manifestation unitaire, on se met autour de la table en amont de la manifestation. Vous savez, c'est simplement une question de respect de l'autre, de construction ensemble, de coélaboration. Et on définit ensemble la raison pour laquelle on veut marcher le 5 mai. C'est la condition de la réussite. On se met en discussion et on dit quels sont les objets, les enjeux de cette manifestation. Et là, effectivement, on a une capacité de voir soit des convergences, soit des divergences. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est une première, j'allais dire, c'est une première différence, c'est une alerte, c'est une question, c'est la pratique, mais la fin, elle est dans les moyens. Enfin, je veux dire,